Et bonsoir à tous les amis, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Merci mon Plinks qui lâche directement ses 100 bits, merci beaucoup. Je suis extrêmement content de vous retrouver les amis, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Ça fait un mois qu'on n'a pas stream, mis à part la petite soirée multigaming. Il y a deux semaines, mais du coup voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas tout retouché au setup et tout, donc dites-moi si tout est bon. Tout est bon, bah c'est nickel, je suis trop content de vous retrouver, ça fait extrêmement plaisir mine de rien. Un mois sans stream, ça fait à la fois du bien parce que ça fait une pause, mais ça manque de ouf. Alors bonsoir à tous, bonsoir Lisa, bonsoir William, bonsoir Reda, bonsoir Plinks, bonsoir Théo, bonsoir qui, bonsoir Leschini, bonsoir William, bonsoir Ruben, bonsoir Cèdre, bonsoir à tous les amis, ça fait extrêmement plaisir. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêt pour repartir pour cette nouvelle saison de stream? Bon, nous notre saison elle a commencé un petit peu tard en janvier 2023, enfin décembre avec le Téléthon Gaming janvier, et là c'est vrai c'est notre première grosse rentrée. Bonsoir Xerox, bienvenue à toi, bonsoir Madog, et merci Madog pour le resub, je l'ai vu tout à l'heure, merci beaucoup, et merci Xerox qui s'abonne avec son Prime, merci beaucoup. D'ailleurs c'est le September, c'est la première fois du coup qu'on le fait, donc apparemment vous avez moins 30% sur les subs tout au long du mois de septembre. Donc voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, eh ben le mois de septembre, c'est le moment idéal puisque du coup, ça vous fera moins 30%. Bienvenue William, bonsoir Main, bonsoir à tous, ça fait extrêmement plaisir. Chaud bouillant le Christ, bah oui, oui, carrément. Même si j'ai lu des commentaires tellement désobligeants hein, d'une certaine Lisa qui se dit abandonnée par un certain Christopher. Bonsoir Whisky, bienvenue à toi, première fois sur le chat, bienvenue Whisky. Les amis, je vous ai pas abandonné, parce que officiellement, j'ai pris cet été uniquement 4 jours de vacances, et le reste, vous allez voir. Et quand je vous dis que vous allez voir, c'est que vous allez vraiment voir, en fait, ce qui s'est passé pendant ces vacances, enfin, pendant quelques temps. Salut Kevin, bienvenue. Les faits sont là, Mais non, les faits sont pas là, c'est juste que je travaillais déjà quand j'étais à la Gamescom. Je pouvais pas streamer à la Gamescom, voyons. Comment tu voulais que je stream? Oh, je vous ai balancé quand même 22 vidéos, 26 même, 22 previews et 4 vlogs en 5 jours. 26 vidéos, peut-être 7 jours, je sais même pas en fait. Entre 5 et 7 jours, 26 vidéos, bordel. Donc voilà. Un petit welcome to Liberty City s'est passé. Et oui, il y a welcome to Liberty City. D'ailleurs, cette semaine, les amis, il se pourrait que vous ayez pas mal d'annonces et d'infos sur Rockstar Mag. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Je pense que tu aurais pu stream depuis tes trains de retard. Alors ça, c'est très, vraiment très méchant. Ça, c'est vraiment très méchant, Lisa. J'espère que tu vas t'en vouloir. Parce que ça, c'est abominable. Vous avez vu? Vous avez vu ma story du retour du Portugal, hein, où j'ai mis 12 heures pour rentrer de Lisbonne au lieu de 5 heures. Tu as fini Red Dead sur Switch? J'ai même pas eu le temps de le finir. J'ai même pas eu le temps, franchement. On ne rigole pas avec les retards de train. Exactement, on ne rigole pas avec les retards tout court, hein, parce que retard de train, retard d'avion, enfin moi il y a retard de tout, quoi. Donc on ne rigole pas avec ça. Mais t'es un chat noir, mais je suis plus qu'avec les transports en commun, je suis plus qu'un chat noir, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais je vous ai dit, je pense que dans une vie intérieure, je devais être un extrémiste anti-SNC, anti-transport en commun en fait. Dans une vie antérieure, je devais être Henry Ford, le mec qui a inventé les voitures, tu vois, et qui voulait pas qu'il y ait les transports. Et je devais dégrader tout ce qui était train, avion, etc. Tu vois. Et là maintenant, dans cette vie-là où au contraire, je privilégie les transports pour moins me déplacer, moins polluer. Bon, avec les avions, forcément, mais encore, les avions, c'est uniquement l'international, parce que même en Europe, voilà, j'essaie de prendre le train quand je peux, notamment quand je vais en Belgique ou quoi que ce soit, et à chaque fois, il m'arrive des dingueries, donc j'ai pas de chance. Mais non, Red Dead sur Switch, non, parce qu'en fait, comme vous allez voir, il y a Welcome to Liberty City qui arrive très bientôt, il se pourrait que vous ayez des infos très bientôt, et il se pourrait qu'il y ait 4 épisodes qui soient désormais terminés. Et il se pourrait qu'il y ait un énorme making-of qui fasse 4-5 heures et qui vous montre bien plus que le tournage du documentaire. Donc vous allez voir si je vous ai abandonné, je vous ai rien du tout abandonné. T'inquiète, je compatis entre mes trains qui sont jamais à l'heure, vol annulé à cause de la grève, je suis aussi maudit.
Ouais, bah écoute, par contre, si tu veux qu'on fasse une compétition, on peut faire une compétition. Parce que je pense que là, quand même, bah, j'avais même fait un top 5 de mes pires trajets. Et je crois que c'est 4, 5. Oh, ouais, le making of, je pense que vous n'êtes pas prêt. Hein. Le making of, voilà. Honnêtement, j'ai regardé pour la première fois le documentaire hier. Puisque du coup, en fait, je suis obligé de le regarder pour voir s'il n'y a pas de bug ni rien. Et effectivement, il y avait 2-3 petites erreurs que j'ai corrigées. C'est pour ça que j'ai failli être en retard. Là, j'ai mangé en 2 spi, etc. J'étais en train de vous répondre pendant que j'étais en train de manger sur le chat. Parce que j'ai fini de manger il y a 2 minutes. Mais parce qu'en fait, j'étais en train de refaire les retouches. Et donc là, ça y est, les 4 épisodes sont terminés, sont machin. Il reste plus que le making of. Et oui, j'ai mangé des pâtes avec un steak de soja. Voilà, si vous voulez tout savoir. Et donc c'est vrai que dans le making of, je vous le dis beaucoup, que je suis pas confiant pour ce documentaire. Et là, j'avoue qu'une fois le rendu terminé, voilà, ça va. J'espère que ça va vous plaire. Moi, de toute façon, j'ai toujours trop du mal à être content de ce que je fais. Vous me direz, ça va être vous, de toute façon, qui allez décider si ça va être bien ou pas. Mais j'ai quand même hâte de vous le montrer. Hâte de vous le montrer parce que ce documentaire, il est particulier. Car là, ça fait vraiment. Merci mon Plinks pour les Lux, t'es adorable. Merci, merci. T'es adorable mon Plinks, sois confiant. Ouais, non, mais j'ai beaucoup de mal. Mais parce qu'en fait, c'est très compliqué de passer après Welcome to Los Santos, qui était inspiré de GTA V, et sur plein de trucs. Sur les transitions, etc. C'était du travail mâché, GTA V. Avec le switch et tout pour changer de lieu et tout, c'était simple. Il y avait tellement de musique, d'ambiance, etc. Là, sur GTA 4, vous allez voir, c'est pas pareil. J'ai eu beaucoup de mal. Et dans le making of, vous allez voir à quel point j'ai galéré. Donc, je suis moins confiant forcément. Maintenant, bah, c'est à vous de me dire voilà ce que ça en ira. Mais quand c'est une erreur minuscule, mais que tu dois quand même tout corriger, tu étais à chaque fois rendu plusieurs. Exactement, exactement les chenilles. Parce qu'une fois que le. En fait, c'est vraiment pas pratique de checker le documentaire sur Premiere Pro par exemple. Donc en fait, il faut que je fasse un rendu pour vraiment avoir. Parce que pareil, des fois que sur Premiere Pro, il y a des bugs qui ne sont pas en. Lorsque la vidéo est uploadée, etc. Donc oui. Et donc là en gros, c'est ce soir, il y a 4-5 heures d'exportation qui m'attendent. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait cet après-midi, enfin juste avant le live, c'est que j'ai fait les retouches, mais je n'ai pas exporté. J'ai fait les retouches de l'épisode 1, 2, 3, 4, mais j'ai pas exporté. Et donc là, après le live, toute la nuit, ça va être exportation épisode par épisode. Sachant que bien sûr, il faut être debout quand un épisode se termine pour lancer le deuxième. Donc là, je suis pas encore couché. Mais oui. Et donc du coup, là, il y a vraiment, en fait, pour. Sur les 4 épisodes, il y a 2h10 de documentaire et au total, il y avait 7 erreurs. Donc c'était vraiment pas beaucoup en fait, mais là, obligé quoi. Obligé. Et merci Warrens pour le follow, bienvenue et salut Enzo, salut Maxime, bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Hâte de voir ça. Bah, très hâte aussi. Mais voilà, il y a des choses qui vont arriver, on va annoncer. Je me suis dit, ce serait aussi bien de faire un petit Rockstar. Il y a plein de choses qui arrivent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Rockstar Night Live, ça fait longtemps que je sais pas, que je vous ai pas parlé de Welcome to Liberty. Enfin, voilà, je pense que les fans de Rockstar Man, vous allez passer une bonne semaine. Voilà, c'est juste ce que j'ai envie de vous dire. Tu es le récepteur de tes projets, puis nous, Modo et Staff, on fait confiance, puis le public, vous êtes très réactif, donc ça met une pression. Mais ça met une pression de dingue, hein, parce que du coup, moi, j'ai tellement pas envie de vous décevoir. Ça fait longtemps que GTA 5 est sorti, ça fait longtemps que GTA 5 est sorti, ça fait 10 ans que GTA 5 est sorti. Donc oui, il y a hein, voilà. C'est quoi des soundtracks et t'as fait quoi des soundtracks, juste par curiosité? Mais en fait, c'est ça le truc dans GTA 4, c'est qu'il n'y a pas de soundtrack. Mis à part le thème principal, etc. C'est-à-dire que dans GTA 5, vous regarderez, quand vous faites une mission, écoutez bien, en arrière, en fond, t'as des petites musiques sans parole ni rien, des musiques d'ambiance qu'on appelle, tu vois, que j'ai utilisées dans Welcome to Los Santos. Refaites GTA 4, il n'y a pas tout ça. Il y a zéro musique d'ambiance. Même dans Bully. Dans Bully, on a des musiques d'ambiance qu'on n'a pas dans. Dans GTA 4, alors que GTA 4 est sorti après Bully, tu vois. Et ça, mais c'est une galère. Parce que du coup, comment t'arrives à faire un truc qui est, on va dire, authentique, qui rappelle GTA 4 sans musique de GTA 4? Tu aurais dû chanter à la base. Oui, bien sûr, mais l'idée, c'est que j'ai envie que le documentaire fonctionne, tu vois. J'ai carrément adoré toutes tes previews à la Gamescom. Bah merci, j'espère que vous avez kiffé les previews et les comment ça s'appelle les previews et les vlogs. Parce que moi je me suis régalé, c'était une bonne Gamescom. Hein.
Merci mon Aken pour le resub, 11e mois d'abonnement et vous lancez un train de la hype. Vous êtes incroyables les amis, merci beaucoup. Merci, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Et moi je me suis refait Welcome to Los Santos. Mais vous avez raison, refaites-vous Welcome to Los Santos pour vous remettre un petit peu dans le... Et merci Plinks pour tes beats, t'es au top. Merci de m'avoir retuité. Mais merci à vous, de toute façon c'est simple. Hein. Moi je vous le dis, n'hésitez pas à balancer sur Twitter, Instagram et me mentionner à chaque fois. Moi je repartage tout. Hein. Moi ça me fait plaisir de voir que vous partagez mon taf, donc je vous repartage tout. Hein. Et merci Naken qui offre un abonnement à On a pris ton blaze. Voilà, bah, merci On a pris ton blaze. Le train live, vous êtes incroyables les amis, ça fait tellement plaisir de vous retrouver. Ça m'a manqué les streams franchement. Voilà, comme je vous le dis, si j'ai pas stream en août, c'est parce que j'avais vraiment besoin de temps. Et même pour vous dire, la rentrée devait être la semaine dernière, lundi dernier. Et j'ai décalé d'une semaine parce que vraiment... Et j'ai failli décaler cette semaine-là, mais je me suis dit, ouais, non, ça commence à faire long. Parce que là, ça fait 5 semaines que je fais des journées de 10h minimum et c'est monté jusqu'à 18h. 18h pendant une semaine, ça a été 18h. Parce que... Mais je prépare pas que Welcome to Liberty City, en fait, vous allez voir. Je pense que cette fin d'année va être très grosse. Autant sur Rockstar Mag que Naughty Dog Mag que sur ma chaîne perso. Et je pense que 2024 va être très grosse aussi. Donc voilà. Welcome to Las Ventura serait super fun un jour. Et vu le nombre de références à Las Vegas, tu aurais dû continuer, je pense. Et oui, bah écoute, on verra bien. Hein, si vous avez vu le vrai ou faux de dimanche qui est sorti hier, je vous ai dit qu'il y a déjà 3 saisons de Welcome to qui sont en préparation. Hein. Donc j'ai adoré tes vlogs sur la Gamescom, c'était au top. Ah, trop bien. Bah j'espère, hein, j'ai essayé de... À chaque fois quand je pars, hein, j'essaie de vous emmener avec moi, etc. Donc voilà, j'espère que vous kiffez. Welcome to San Firo, voilà. Vous savez, Rockstar n'ont pas fait que des GTA, hein. Il y a peut-être d'autres choses qui se préparent. J'aimerais trop un Las Venturas HD, mais tellement Lisa. Moi, c'est mon rêve. Hein. Moi, comme je vous l'ai dit, là, GTA 6, j'aurais trop voulu que ce soit Las Venturas. Enfin, Las Vegas, c'est la ville des péchés, c'est la ville de GTA, bordel. Après, je pense que Las Venturas, je l'aurais plus vu pour GTA 5, puisque bah, à la base, c'est des braquages, donc on aurait fait un truc à la Ocean Eleven. Et bienvenue, Rockstar. Rockstar Mick, première fois sur le chat, bienvenue à toi Rockstar Mick. Et bienvenue Théo, welcome to Saint-Denis. Welcome to Saint-Denis, ça va être compliqué pour comparer quand même. Welcome to Blackwater, peut-être, hein, peut-être, qui sait. Et voir les aventures de Chris à Las Vegas serait pas mal. Hors sujet, as-tu regardé le GP Explorer? Bien sûr. Bah, entre deux montages de Welcome to Liberty City... J'étais devant, j'ai trop kiffé, trop kiffé, franchement, c'est un putain de... Enfin, Squeezie, franchement, vous rendez pas compte, c'est un truc de fou. Hein. Le mec, il a quand même commencé, je crois qu'il avait 14-15 ans, il était en slip, en train de faire des sketchs hyper malaisants. Tout le monde se foutait de sa gueule, mais n'empêche, regardez, putain, l'évolution, quoi. L'évolution. Des pieds lourds incroyables. Enfin, c'est le mec grand chelem, quoi. Il aux essais, il a été meilleur temps, qualif meilleur temps, pole position... Meilleur tour en course, victoire, incroyable. Bienvenue Rockstar, j'espère que ce sera une première mais pas une dernière, j'espère que tu vas kiffer. Les F1 de Gasly et Ocon, la petite larme, c'est... Ah ouais, mais en plus le petit V8 des F1 de 2012, c'était incroyable. Chris, il peut pas Welcome to Vice City dès maintenant. En vrai oui, ça je vous le dis, de toute façon je vous l'ai déjà dit, Welcome to Vice City, il est en préparation, il y a déjà 2-3 trucs qu'on fait. Mais là vraiment... Les Welcome To qui sont en préparation, c'est juste en fait où je commence des repérages de certaines choses, etc. Welcome To Montélimar. Il n'y aura pas 5 épisodes pour faire ça, hein, je vous le dis, en un épisode ce sera fait. Hein. Prochain GP tu le fais, ah, mais ce sera un rêve. Mais ça je peux vous dire qu'il y a tellement d'argent et de visibilité en jeu que c'est que des créateurs de contenu à des millions de... Enfin, peut-être pas des millions d'abonnés pour tous, mais voilà, enfin c'est... Soit t'es le meilleur pote à Squeezie ou t'es très pote de Squeezie, soit voilà. Et c'est normal parce qu'il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de trucs comme ça que je n'ai absolument pas ma place dans cet événement, même si ce serait un rêve pour moi. Mais voilà, mais c'est, même si je participe pas, juste le voir, moi ça me fait kiffer. Mr. V m'a tué de rire, enfin, pour moi c'est un de mes comiques préférés, ce mec il est incroyable. Et puis voilà, Welcome to Montélimar, meilleure ville au monde devant tout. Mais carrément les chinis, carrément.
Salut, salut Hakim, salut Chris, et merci encore pour soutenir Constellation Gaming pour mes débuts. D'ailleurs, il faut que je change mon nom Twitch. Oui, mais pourquoi Hakim, ça va bien ton... Enfin, c'est vrai qu'il est un petit peu long, donc je t'appelle juste Hakim, mais voilà. À la recherche du nougat perdu. À la recherche du nougat perdu, incroyable. Si Rockstar te sponsor... Oh, et ben là, vu les relations que l'on a avec Rockstar en ce moment... Avec ça m'a touché, j'ai regardé son reportage. J'ai encore vu aucun reportage. En général, moi, c'est ce que j'avais fait l'année dernière. J'avais vu en fait les vlogs après événement. Et j'avais vu celui de Squeezie, celui de celui d'Amixem, je l'avais vu. Celui de Dejna, celui de... Et là, je pense que je vais faire pareil parce que j'ai pas le temps sinon. Même là, ça va être compliqué. Moi, je suis Rockstar Mag depuis Edwin. Oh, mais Edwin, ça me dit un truc, ça. Moi, je suis Rockstar Mag depuis Edwin. Ça me dit un... Italia. Mais Italia, mais c'est François, ça. C'est François. Mais c'est François. C'est François. Bienvenue. C'est François, mais je t'ai reconnu forcément avec Edwin. Comment ça va? Ça fait trop plaisir. Comment ça va? Comment ça va? Putain, François, donc on était vraiment le pélican. Oh là là, non mais... Ça, c'est des anecdotes qu'il faut raconter parce que les... donc Italia, c'est donc François avec qui je jouais avec Vincenzo, etc. Et on avait une team, enfin c'était la Dream Team. Et bienvenue, My Lord. Et c'était la Dream Team, clairement, au lancement de GTA Online en octobre 2013. Et on faisait des soirées, voilà, avec Vincenzo, on faisait des soirées, mais je crois que c'est mes meilleurs moments en ligne où on commençait vers 21h, 22h jusqu'à 3-4h du matin et des fous rires et on faisait croire aller aux gamins, le groupe Rockstar Max, c'était la folie carrément. Il y avait Aurin, il y avait toi, il y avait Vincenzo et tout et on faisait croire à des jeunes enfants qui n'avaient pas l'âge de jouer à GTA qu'il existait l'île aux Pélicans et que si t'y allais, t'allais plein d'armes, plein d'argent, etc. Mais des fois, pendant 3-4 heures, à leur faire des trucs mais complètement absurdes sur la map, etc. Et puis, il y avait un mec qui s'appelait Edwin, qui était extrêmement mauvais joueur. Et donc, du coup, en fait, le but, c'était de le faire partir à la faute, de le faire craquer. On faisait des courses, mais on faisait exprès de lui rentrer dedans à lui, etc. Enfin, c'était... Et on les abandonnait sur l'île, parce qu'il y avait des petites îles, en fait, que accessibles en hélico. Et après, c'est trop chiant de revenir à la nage. Et on les mettait, c'était trop drôle, putain. Mais du coup, tu joues encore, François? Parce que franchement, ça serait trop cool de se refaire une soirée avec le Vincenzo et tout. Même si je sais que bon, maintenant, c'est un peu plus compliqué pour Vince, mais c'est trop cool, quoi. C'est trop cool. Question, quelle ville inédite de GTA reste-t-il à exploiter qui collerait bien avec l'univers? Ville du péché, Seattle, ça colle pas, c'est trop sage. Détroit, ça pourrait, mais c'est pas suffisamment populaire. Ouais, Chicago, mais moi, honnêtement, un retour, enfin... C'est trop sage, San Francisco, c'est sage aussi, tu vois, mais voilà quoi. Honte à moi, j'ai jamais fini GTA 5. Aïe, 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 mais il se pourrait que j'y ai pensé peut-être que pour les 10 ans, là, comme c'est les 10 ans de dimanche. Ah, il y a des grésillements. Ça va mieux, là. Il se pourrait que je fasse un stream sur GTA 5. Qu'on stream GTA 5 en intégralité. Autant bien, dès qu'on va finir Bully, on enchaînera sur GTA 5 PS5. Moi j'ai tout revendu, depuis 8 ans j'ai touché à une manette, je regarde des lives pour calmer mes ardeurs. Aïe aïe aïe. Mais là avec la PS5 ça donne pas envie, j'étais à 5, enfin j'étais à 6 même quand il va être annoncé, tu vas bien recraquer. Tu vas bien recraquer. Nous ce soir en tout cas, bah justement on va tâter de la manette les amis parce qu'on va partir sur... s'ils sortent pas ce PS5 avec GTA 6, ben voilà, bah il y a de grandes chances, hein. Il y a de grandes chances. Nous ce soir les amis on part sur The Crew, vous le savez hein, le petit planning qui revient sur le site comme à chaque fois. The Crew ce soir, The Crew demain, si les serveurs sont revenus parce que bah, les serveurs ont planté tout à l'heure. On fait du Bully mercredi, je pense qu'il y a moyen qu'on finisse le jeu mercredi. Et vendredi c'est soit on fait une soirée multigaming comme on a fait il y a 2 semaines avec Caro Viper etc. Et merci Warren pour le sub, merci beaucoup. Soit on fait du Bioshock, on verra, mais en tout cas, il y aura une soirée, il y aura du stream vendredi, mais je ne sais pas encore exactement quoi. Sur cela, les amis, c'est parti, on se lance, hop là, on va se lancer sur The Crew Motorfest. Pourquoi il y a la notification là? Hop là. Donc The Crew Motorfest, on l'avait déjà bien séché, cet été avec la bêta. Et donc là, voilà, là on se fait 2 streams.
pour dire, parce que voilà, c'est la sortie du jeu pour ceux qui veulent. Et bienvenue Hugo, ça va super, et toi? Bienvenue, bienvenue. De rien, tu mérites. Bah merci Warren, ça fait super plaisir. Et surtout voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, les amis, profitez de cette semaine, puisque, enfin de ce mois-ci, puisqu'en septembre, c'est le September et vous avez moins 30%. Donc c'est le moment. Et donc du coup, on l'avait bien séché, et là, on va pas faire 10 streams dessus, mais comme c'est la sortie, enfin, il sort jeudi le jeu. Et donc jeudi, il y aura ma critique. Et donc du coup, bah, on va le streamer ce soir et demain. Comme ça, s'il y en a qui se tâtent à le prendre, ça vous donnera un aperçu. J'ai un petit peu commencé le jeu tout à l'heure. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, les serveurs ont planté. Donc là, bah, j'espère en fait que... J'espère que les serveurs remarchent. C'est un petit peu long. Je suis en train de stresser, c'est un petit peu long. On va voir. Si, ça y est. Regardez. Parce que tout à l'heure, ça m'avait mis continue aussi. Ça a planté quand même. Et donc du coup voilà, jeudi il y aura la critique, et puis voilà, oui ça y est. Voilà. Le centre social du Motorfest. Mais c'est aussi l'endroit où on accède à toutes les fonctionnalités du festival. Il y a des Mustangs de partout là. C'est là que tu pourras participer au custom show ou explorer et tenter de devenir une véritable légende du. Ce Larkon a l'air prometteur, bien que quelques gameplays présentés semblent un peu fades. Ah, je suis très frustré pour ce Larkon car je peux pas en parler, mais J'aurais des choses à vous dire. La map, elle est grande ou la taille du dieu ou plus petite? Ah, elle est beaucoup plus petite. Hein. Elle est beaucoup plus petite, malheureusement. Mais elle est plus détaillée. T'as plus joué depuis la bêta, j'espère que les défauts majeurs ont été corrigés. Tu parles de quoi, les chinis? De The Crew ou de Forza? Bon, là... Attendez, comment on ressort là? Ouais, c'était tous les USA, mais bon, ça se répétait beaucoup quoi. Alors là, du coup, ouais. J'ai commencé le jeu tout à l'heure avant que ça bug. Et alors, attendez, par contre, il faut juste, parce que là, du coup, on est en stream. Putain, mais par contre, il y a plein d'affichages de pop-up. Ça me gonfle. Ça me gonfle pour vendre leur pack là. Pack de cadeaux récupéré. Ah, j'ai récupéré un pack. Bon, bah finalement, si c'est un pack cadeau que j'ai récupéré. Ok. Alors attendez. Cela, faut que j'arrive à. Voilà. Là, faut juste. Parce que là, du coup, on est en mode streamer. Paramètres de jeu. Donc, il faut que je. C'est où le mode streamer? Morceau de musique. On s'en fout. Tac. C'est où le mode streamer là? Accessibilité. Vidéo. Peut-être audio. Tac. Putain, ça l'a mis tout à l'heure, je suis plus où c'est. Il y a un mode streamer justement pour pas se faire. Pour pas se faire strike. Mode streamer. Oui. Tac. Maintenir. Hop. C'est bon, ça a marché là? Ok. Voilà, pour essayer de pas se faire strike, ce serait bien. Je trouve la map super bien faite au niveau des verticalités, ils ont géré perso, il y a de magnifiques panoramas. Ah mais de toute façon, la map d'Hawaï, elle est incroyable. Hein. Dans Test Drive Unlimited, c'était incroyable. Après, voilà, Test Drive Unlimited, c'était l'échelle 1-1. Là, on a une map qui n'est pas à l'échelle 1-1, et moi, ça me déçoit un petit peu. Vraiment, je vais pas vous mentir. Après, le jeu reste très beau. Et même si la map est beaucoup plus petite que celle de The Crew 2, elle était très vide. Il y a beaucoup de trucs où ça se répétait. Et là maintenant, en fait, la map, elle est beaucoup plus complète, beaucoup moins répétitive. Donc bon, si la map est plus petite, mais qu'on gagne en qualité, ça me va. Et là, c'est le cas pour ce The Crew. Même si Test Drive Unlimited proposait aussi une map quand même très grande. Et pour l'époque, en tout cas, bien fourni, quoi. Bonsoir, bonsoir, Barbe Rouge, bienvenue. Ah, lire le chat ou conduire, il faut choisir. Et merci, Innov, pour le follow. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, en fait, il y a des... Oula. Il y a des playlists, vous vous rappelez? Et donc dans les premières playlists, il y a des playlists qu'on a déjà fait lors de la bêta, donc je les ai commencé à les faire. Parce que je me suis dit, vous avez déjà vu certaines playlists pendant comment ça s'appelle la bêta, je vais pas vous refaire faire les mêmes. Et il y a des nouvelles playlists que du coup j'ai attendu ce soir. Et donc bah du coup on va le découvrir là. Hein. Ah mais Liberty Walk, énorme!
Liberty Walk, c'est un préparateur auto. Bon, par contre, ils auraient pu sous-titrer. Énorme. Putain, mais en plus, il parle japonais, je comprends rien. Oui, mais là, on a la version finale. Hein. Là, c'est le jeu qui sort. Il sort jeudi, le jeu. C'est la version finale. Mais énorme le partenariat avec Liberty Walk. Par contre, ils auraient pu sous-titrer parce que je parle pas japonais. Hein. Donc là, vous voyez, voilà, je vais vous traduire en direct. Donc là, voilà, vous voyez, on est en train de tout découper parce que bah, sinon la voiture elle est trop lourde là. Et là, on est en train de poncer là parce que sinon c'est plus joli. Regardez, regardez comment c'est beau. Et là, on a mis un gros rond rouge comme le Japon. Et là, en fait, on l'a appelé Liberty Walk en hommage à Liberty 93 parce que c'était un mec trop bien. Et regardez, c'est sa voiture dans GTA 6. Ah, je sais, je suis japonais. Incroyable en tout cas. Trop cool le partenariat avec Liberty Walk. Bienvenue chez Liberty Walk, où la customisation n'a aucune... Tu as vu la nouvelle Toyota Century SUV? Même pas. Même pas, même pas. Alors après, moi je vais vous le dire, je suis pas trop Jap. Hein. Moi je suis vraiment... Ah bah merci mon François pour le follow. Moi je suis vraiment plutôt américaine, hein, monsieur le car. Hein. Les japonaises, il y en a des très belles, hein, Toyota Supra. Bon, bon, j'avoue que la Nissan Skyline R34 GTR, c'est une de mes voitures de rêve. Mais voilà, moi je suis plutôt américain, quoi. Voyons ce qui va suivre. Et bah du coup, on va faire la playlist Liberty Walk que l'on n'avait pas faite parce que lors de la bêta, on avait la playlist Porsche, on avait la playlist Japon, on avait la playlist électrique, la playlist Hawaï, vous vous rappelez, où on fait la visite d'Hawaï. Donc en fait, ça, j'ai commencé à les faire de mon côté, de les refaire notamment. Et du coup, là, on va se faire des trucs que vous n'avez jamais vu. Et pour ceux qui n'étaient pas là pour la bêta, bien entendu, le replay est disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Hein. Et donc là, Liberty Walk, je sais pas du tout ce que c'est la playlist. Est-ce que ça va être des courses, des épreuves? Je sais pas. On va se prendre une petite BMW M4 compétition là. Mais est-ce que c'est des courses? Est-ce que... Gagner la course? Bah visiblement oui, là faut gagner. Il y a des beaux bruits de moteur. Hein. Alors le mec avec la Mustang là, il coupe beaucoup trop, je trouve. Hey, c'est Toji, tu te souviens de moi? Made in Japan, le pack, le gars avec les VOX. Bah les sensations sont plutôt pas mal. Tu ressens bien la différence entre les voitures, le poids des bagnoles. T'as des voitures qui vont être super légères, qui vont coller mais tellement à la route que... Tu mets un coup de joystick, ça tourne direct. Là, celle-là, la M4, tu sens que voilà, faut la pousser un petit peu, qu'elle est un petit peu lourde. Mais sinon, globalement, il n'y a pas d'énormes changements par rapport à la... Comment ça s'appelle? À la bêta. Ils ont réglé le bug, vous savez, où je vous avais dit qu'il y avait une latence. Il y avait une latence sur le virage. Quand tu tournais, il y avait peut-être une demi-seconde de latence, mais du coup, ça faisait une conduite pas précise. Là, ils ont corrigé ça, ça répond bien. Donc c'est cool. On sent les gâchettes adaptatives. Genre quand on accélère, quand on freine, et quand il y a un passage de rapport, il y a un petit clac. C'est sympa. Merde, est-ce que c'est... Je crois que je me suis trompé de... Ok, let's go! Putain, je suis un pilote, les gars. J'étais pas sûr de mon coup, hein. Là c'était une... J'ai fait une fast and furious. J'étais pas sûr de mon coup, mais let's go. Et non, la conduite est plutôt cool. Mais pareil, tu vois, on sent que c'est un petit peu moins arcade. Dans le genre, tu vas pas prendre le virage en drift. Voilà, là j'ai mal pris mon virage. Et voilà. C'est en mode, faut que tu freines en amont. Tu prends le virage et voilà, tu peux pas freiner et tourner en même temps. Ah oui d'accord, on change de bagnole. Ok.
Ah oui, mais on a fait que 50% de la course. Alors la conduite était un gros point noir sur les anciens The Crew, oui et non. Le premier oui, mais le premier de toute façon le jeu en lui-même était un gros point noir. Le 2 c'était assumé de faire un truc vraiment arcade. Ils ont pris les retours des joueurs en disant que bah finalement trop arcade tue l'arcade. Et là ils ont fait un truc un peu à mi-chemin que moi personnellement j'aime beaucoup. Genre vraiment, je pense que je vais y passer beaucoup de temps là. Entre Starfield et lui, je sens que mon mois de septembre voilà quoi. Mais c'était assumé, tu vois, pour le premier The Crew 2. Après ça plaît ou ça plaît pas, il y en a qui ont beaucoup aimé hein. Oh non, putain, je regardais le chat avec William qui fait je parie que Lisa elle dort. C'est bizarre parce que moi tout à l'heure, je lui ai dit la même chose quand elle m'a dit que bah voilà. Elle était déjà en train de m'envoyer des messages sur Instagram pour me harceler et me dire que que c'était pas trop tôt mon retour. Et je lui ai dit, de toute façon, ça sert à quoi? Dans une heure, tu dors. Tu feras des streams sur Spider-Man 2? Ouais, je pense, ouais. Y a moyen. Non, j'ai pas testé le... Je vous ai dit, en fait, tout à l'heure, j'ai pu jouer une heure et demie au jeu. Et en fait les serveurs ont planté. Donc malheureusement j'ai pas pu trop en faire. Donc on va tester ça ce soir hein. Non mais là vraiment il est agréable à conduire. Là vraiment là, le petit enchaînement droite gauche et tout la conduite est vraiment agréable. Ça va faire crash le live. Oh, parle pas de malheur hein. Parle pas de malheur Bouchou là. Oh non, coup dur. Putain, elle est arrivée. Ok, pas mal. On va voir comment tu gères la suite. Ah, tu sais, j'ai nouveau quad, j'ai pas vu la différence graphique. Ah oh, oui, il y a une sacrée différence. Enfin, après le 2, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Puisque j'ai joué, je l'ai poncé à sa sortie. Mais quand même, c'est quand même plus joli que le 2 quand même. Quelle victoire. Beaucoup d'autres suivent. Ça manque de tremplin tout ça. Bah, on en a eu là des tremplins là. On en a eu. Alors on reprend voilà le petit radar qui fait bip là, c'est le comment ça s'appelle les voitures à récupérer là, il y a des voitures cachées. Ah là c'est les émotes, c'est vrai qu'il y a des émotes à... On rappelle hein, pour ceux qui n'étaient pas là pendant la bêta, on a forcément la vue intérieure qui est très classe, même si on n'a toujours pas malheureusement de rétro. Ils ont toujours pas corrigé le fait que la route est tout le temps mouillée. Là je rêve pas, la route elle est aussi mouillée là. Alors qu'il y a un grand soleil hein. C'est-à-dire que les mecs ils sont pas capables de mettre des reflets dans le rétro. Par contre, pour te mettre des flaques d'eau à gogo, même en plein soleil, voilà. Hein, leurs flaques d'eau là. Là ils savent faire quoi. Ah! Ouh! Attendez, cela ça vibre beaucoup là. Ça vibre beaucoup là. C'est ça? Ah oui, c'est ça? Ah non, c'est pas des voitures, c'est un trésor. Ok. Ouais, je préférais gagner des voitures quand même hein. Faut activer le ray tracing pour les rétros. Alors je sais pas du tout. C'est vrai que là je joue en mode performance. Je suis en mode 60 fps. Mais je sais pas si avec le ray tracing et les rétros ou pas. Faudra que je teste. Bonne possibilité de glitch dans The Crew. Honnêtement c'est un jeu Ubisoft. Je pense qu'il y a possibilité de grave glitcher. Le son des moteurs je sais pas pour vous mais je les trouve bien mieux que ceux de Forza. Alors j'avais pas été alors bien mieux je dirais pas. Mais en tout cas les moteurs sont vraiment cool. Après est-ce que bien mieux, j'irais pas jusqu'à bien mieux, parce que Forza c'était quand même pas mal. Mais voilà.
Ubibug, comme dirait Butchou numéro 2. Après, pour le moment, sur The Crew, en tout cas pendant la bêta, les 6 heures de la bêta, on n'a pas eu trop de bugs. En vrai. Soyons honnêtes. Par contre, le passage de vitesse où on entend le... Vraiment, dans les gâchettes, tu ressens en fait. Ça fait un petit claque en fait, un passement de... C'est assez agréable, c'est trop cool. Par contre, les gars, moi j'essaie de rouler propre, eux ils conduisent mais comme des caracs. Hein. Ah, ça va prendre l'extérieur, là, ça va prendre l'extérieur. Et là, ça va plonger à l'intérieur. Oh, oh là là. Oh le turbo en sortie de virage, très mauvaise idée. Oh la mauvaise idée. Oh là là, mais quelle idée à la con, Chris. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça me rappelle les voitures de mes magazines de custom. Le genre de style qui marque un gamin à vie. Ah bâtard. Dans les années 90, peu de tuneurs s'attaquaient aux voitures européennes et américaines comme Kato. Allez, me barre-toi avec ta Mustang. Oh mais le premier s'est envolé, bordel. Liberty Walk possède trois piliers pour trois styles distincts. On est dans la partie works. Non, on va prendre l'aspiration, les gars. Ah mais c'est les deux premiers en fait. Ouais, on prend l'aspiration là, on prend l'aspiration, le turbo. Aspiration parfaite là. Let's go. Robuste, frein plus puissant et pneu plus large. Ouais, ces mecs sont doués. Il y a des panoramas, regardez là, on est dans la zone volcanique, c'est énorme. L'île d'Hawaï, elle est incroyable. La map, elle est fantastique. Regardez, le tunnel dans le volcan là, c'est incroyable. Oh non, merde, putain, je regarde le chat. En fait, ça me frustre parce que j'ai envie de vous lire, mais pendant les cours, c'est pas possible. Hein. Vas-y, là, ça s'est pas dépassé proprement, là. Faut que ça vienne me coller, me rentrer dedans, là. Puis même les détails, là, on voit, j'ai roulé dans la boue. On voit le pare-choc qui est sale et tout. Graphiquement, franchement, le jeu, il est sympa. Il est sympa, il est détaillé. Non, franchement, ils ont fait du bon taf. Hein. Ils ont fait du bon taf et Dieu seul sait à quel point j'étais pas confiant. Je pense que si vous avez suivi les conférences du Summer Game Fest avec moi, vous avez vu à quel point j'étais pas confiant du tout sur The Crew Motorfest. Mais j'avoue que depuis la bêta, je suis agréablement surpris. Et que là, bah là, c'est petit kiff quand même. Même on voit les reflets sur la carrosserie quand je mets le turbo. Regardez, quand je mets le turbo, on voit les reflets sur la carrosserie des flammes. Franchement, il y a des détails sympas. T'as même quand on freine, quand vraiment là tu plantes un gros coup de frein, tu sens la gâchette qui tremble de ouf. Franchement, ça c'est... C'est des petits détails, mais je trouve que ça rajoute tellement. Les gâchettes sont vraiment... C'est la régalade. Let's go! Forza en sueur. Alors,
en sueur, je ne sais pas, mais j'aime la DA. La DA est très cool. Je sais pas si on peut dire que Forza en sueur, mais en tout cas, The Crew, ils ont fait fort. Pour moi, c'est vraiment le... Pour moi, c'est le meilleur Forza à ce jour, The Crew à ce jour. Graphiquement, il a mieux avec NVIDIA Freestyle, le PC. Alors moi, je suis pas sur PC là. Là, je suis sur PS5. Mais graphiquement, je trouve que ouais, il est très propre. Mais alors, on voit les reflets et tout. Bon, il y a toujours leur putain de route mouillée. Ça, j'en peux plus, vraiment, j'en peux plus. Mais les reflets lumineux et tout... Non, franchement, il est propre. Allez, là, il y a 8 km à faire. On va prendre notre envol. Non, franchement. Oula, on va conduire de la GTR modifiée, les gars. On va conduire de la GTR modifiée. Je laisse Tochi prendre le relais. Il n'est pas du genre bavard, mais quand il s'agit de custom, la passion se réveille. Et donc là, pareil, hein, on a de la vue cockpit, même en avion. Comme quoi, hein, on joue pas à Starfield, mais on peut se balader avec notre vaisseau sur la map. Voilà. Je rigole. Ne balancez pas ça sur Twitter. Merde, putain, oh le con. Je me suis trompé de touche et je regardais le chat. Ça a failli finir en catastrophe. Non, franchement, c'est beau, il y a une bonne distance d'affichage. Alors, sachant que là, on est en stream. Hein. On est en stream, donc je suis en 1080p et forcément, en stream, il y a moins de qualité. Mais non, franchement, c'est propre. Hein. C'est propre. Tu y es presque. Montre-leur ce que t'as dans le ventre. Oh là là, oh, comment c'est parfait cette transition! Oh, cette transition parfaite! Franchement, j'ai bien qu'il y a très bien. Oh non, mais alors sur Starfield, de toute façon, ça va être pareil. Hein. À mon avis, quand. Bah alors, tu me la lances, Ça va être pareil pour Spider-Man. Dès que je vais dire une critique de Spider-Man, je vais avoir tous les fanboys Sony. Enfin, on a l'habitude, faut ignorer ces demeurés là. Allez, let's go, la petite Nissan GTR là. Ça, c'est de la bagnole. Bon, par contre, vous vous rappelez, pendant la bêta, je vous avais dit que pour la création de personnages et tout, c'était pas la folie. Et il y en avait 2-3 sur le chat qui étaient là en mode « scrogneux, c'est une bêta !» Et moi, je vous avais dit « Ouais, mais les gars, c'est une bêta 2 mois avant la sortie du jeu, on est quasiment sur la version finale du jeu, quoi. » Je vous confirme qu'on était sur la version finale du jeu, c'est catastrophique pour la création de personnages. T'as rien, en fait. Oula ! Coup dur ! Comment ça, dernière course? Y'a que 3 cours dans cette playlist? Oh là là, mais c'est beau là, mais je conduis bien là. Oh là là! Ah, mais c'est lui qui vient de me rentrer dedans là, incroyable ça! Oh non, mais le con! Qui lui a tiré dessus? On s'en bat les couilles des autres. C'est des rageux. Pas mal. Tu penses que tu peux rester devant jusqu'à la fin? Hop. Tadak. Honnêtement les amis, si moi-même je fais pas attention, j'ai envie de vous dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont quand même assez débiles pour dire que Zinedine Zidane c'est pas l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire, et en tout cas le meilleur footballeur de l'histoire de la France. Donc si Zinedine Zidane ne peut pas faire l'unanimité, personne ne pourra le faire. Moi je suis authentique, ça fait 10 ans que je suis comme ça, et je vais être honnête avec vous, j'ai déjà pas le temps de suivre le contenu de mes amis youtubeurs. Donc je peux vous garantir que tous les comptes Twitter, les chaînes YouTube, pour moi ces gens là c'est des randoms, c'est des inconnus, tu vois. Le mec il peut avoir 20 000 abonnés, 1 million d'abonnés, pour moi c'est des randoms. C'est à dire que je les connais de nom, mais je consomme pas leur contenu, je m'en fous. Je ne sais pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils font de l'actualité, est-ce qu'ils font
S'ils font du divertissement, je ne sais pas. Donc ils peuvent dire mais tout ce qu'ils veulent de moi. Moi ça prouve juste une chose. Ça prouve juste une chose. C'est que eux me connaissent. Eux me connaissent. Eux suivent mon contenu. Eux suivent mes tweets. Eux savent ce que je fais. Eux savent ce que je dis. Voilà. Bah critique moi, mais en attendant tu me critiques mais tu me suis. Que moi par contre bah je te critique pas parce que bah tu m'as été tellement indifférent que je ne sais même pas bah, ce que vous faites comme contenu tu vois. Donc laissez parler les gens. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi comme je dis, ça fait 10 ans que vous me connaissez, ça fait 10 ans que je suis pareil. 10 ans que Rockstar Mag on est pareil. Ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis. Comme je vous le dis, Zinedine Zidane ne fait pas l'unanimité, c'est pas Christopher Klippel qui va faire l'unanimité. C'est il faut tout pour faire un monde. Maintenant si je devais m'arrêter sur chaque personne qui me critique, j'ai un documentaire à New York à monter les gars, j'ai pas le temps de perdre 3 heures à un drama. On repassera plus tard. Et là surtout j'ai une putain de soirée à Hawaï les gars. On est à Hawaï, qu'est-ce qu'on va parler d'autre chose? On conduit une Nissan GTR à Hawaï les gars. C'est bien pour ça qu'on te suit Chris, bah merci beaucoup William. Et merci à tous. Putain, je leur ai mis 17 secondes dans la tête. J'étais concentré dans mon discours, dans mon dialogue et dans ma course. Et je les ai un petit peu humiliés là quand même. Et du coup, c'est la dernière course de. T'as raison, faut pas écouter certains cassottes, parfois je comprends pas. Ah non, mais. Moi, il y a beaucoup de choses que je comprends pas aussi. Et de plus en plus sur Twitter. Hein. Genre là. Alors c'est pas un youtubeur et tout mais c'est un mec sur Twitter qui m'a dit ouais non mais tu critiques les fake news mais tu en parles donc finalement t'es content. J'ai mais c'est le but de Rockstar Mag. Rockstar Mag on est un média. C'est à dire que nous on n'est pas une chaîne YouTube, on est un média. On est un média sur Rockstar. Donc notre but c'est de parler de l'actualité, des rumeurs et des fake news pour les debunk. Si je les ignore, ça veut dire que je fais pas mon taf. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont y croire et que moi j'explique pas pourquoi c'est faux. Et donc voilà, et les gens en fait c'est juste parce qu'ils ont le seum. Parce que en plus de ça, quand je vous fais les threads ou les vidéos sur le debunk, ça marche. Et donc bah ça les gens ça les fait chier, mais moi je m'en bats les couilles, j'ai toujours fait ça. Pourquoi je... Voilà. C'est comme quand après on m'a reproché de parler des leaks. Je vous ai pas montré les leaks. Je n'ai pas... à aucun moment j'ai montré le lien pour y accéder. On a juste expliqué ce qui se passait, comment c'était arrivé. Et on a effleuré un petit peu ce qui avait été dit. Mais c'est normal, c'est notre rôle. C'est comme si demain, t'es un journaliste de guerre et que tu parles pas de la guerre en Ukraine. Bah c'est ton rôle. Bah moi je suis un média sur Rockstar. Il se passe des leaks où il y a des fake news. Bah j'en parle. C'est normal. Là où ce serait problématique, c'est si je surferais sur le buzz, comme beaucoup font d'ailleurs. Mais voilà. J'aime trop quand tu débloques les rumeurs des Mongols à la pastille bleue, quel plaisir. Ah bah oui, mais ça c'est du petit lait. Bonsoir, je peux te dire que j'ai connu avec les leaks de GTA 6 et je suis toujours là parce que j'aime bien ton honnêteté. Et ben voilà, ben merci à toi Gangsta. Ben voilà, si j'avais pas parlé des leaks de GTA 6, Gangsta il serait pas là. Voilà. Mais nous francophones on a crise alors que les autres ils auront compté des MS Server de boss. Bon après honnêtement je pense qu'aux États-Unis ça ils en ont aussi hein. Ils en ont aussi. Mais là pareil il y a... Oh putain j'avais pas vu la bagnole. Mais là, j'ai discuté avec un mec de GTA Forum
parce qu'ils vont sortir un gros document qui va récapituler tous les leaks de l'année dernière. Et ils ont fait apparemment un travail monstrueux et ils vont le sortir le 18 septembre. Mais le problème, c'est comme je lui dis, je lui fais, mais les gars, pourquoi ça vous ne le faites pas au moins après l'annonce du jeu? Parce que là, vous pouvez être sûr que la semaine prochaine, ça va être la catastrophe. Le nombre de personnes qui vont du coup prendre ce document là pour tout lister et faire passer ça pour des infos, ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique. Donc c'est comme ça, c'est pour ça vivement que le jeu soit annoncé et ça apaisera un petit peu les esprits de tout le monde. Ah! Oh là là, comment j'ai souviré! Tu passeras pas, mec, c'est mort! Tu passeras pas! Ah bah si, tu passeras en fait. Reviens avec ta Bentley de merde! Allez, Willy, reviens! SRT8 est bien plus agressif que la 300. Même les médias arabes, mais oui, mais il y a tout le monde qui s'y met. C'est plus qu'une simple berline de luxe. Allez, je te retrouve sur la ligne d'arrivée. Mon gars, en aspiration, je te bouffe. Merde, merde, je me grattais le nez. Ah, mais on peut même plus en découvrir le trailer ensemble. Bah j'espère. Sauf si le trailer pop sans prévenir. Mais si ça fait comme Red Dead et GTA et qu'ils préviennent tel jour, telle date, il y aura un trailer, bien sûr qu'on va le découvrir ensemble. J'ai vraiment hâte à ce moment-là, les amis, hein, je vous le dis. Hein. J'ai vraiment hâte. Ah, vous voyez, par contre, avec cette bagnole, j'ai beaucoup plus de mal. La conduite, elle est beaucoup moins. Tu sens que la voiture, elle est lourde. Attendez, je vais lire vos commentaires, on arrive là. Non, non, ils vont quand même publier les documents. Hein. Bah, attention, c'est pas moi qui vais faire changer d'avis. Hein. Un live nocturne ou un live si le trailer sort dans la journée? Bah, de toute façon, si le trailer, il le diffuse à 17h, on va prendre l'antenne à 16h. Et après, je pense que ce qu'on va faire... c'est que de 16h à 17h avec l'équipe Rockstar Mag, on va un peu débattre sur ce qu'on attend. 17h, on découvre le trailer. Et après, on fait l'analyse en direct. L'analyse entre les membres du staff, les abonnés et moi. Et entre temps, je pense... Oula, 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 il y a les bikers là. Et je pense que du coup... Putain, par contre, il y a plein de membres sur la map, ça c'est génial. C'est incroyable. Je sais pas si c'est des joueurs ou des IA, mais... je pense que c'est des IA. Ouais, non mais là, ouais, c'est des IA. Ouais, il y en a de partout, il y a même plus de PNJ en fait. Et le trailer de GTA 6. Et du coup, je disais, je pense qu'il y a une partie, donc genre Lucas et 2-3 rédacteurs qui ne resteront pas sur le live parce que eux ils iront directement analyser le trailer pour de vrai. Et après, avec 2-3 membres du staff et les abonnés, etc. Ah bah super! Ah bah super, la priorité à droite, sac à merde! On ira, comment ça s'appelle, l'analyser en live, le trailer. Non, c'est pas. Attendez, c'est où? Mais j'étais sûr que c'était pas là que j'ai loupé mon checkpoint. Putain! Ah, mais on a tous envie de cette annonce. En fait, moi, j'ai hâte de cette annonce. Même pas pour dire que le jeu soit annoncé, parce qu'on sait qu'il est en préparation et tout. C'est juste pour dire que ça va être le début de la com. Et là. Bah oui, mais en même temps, Lisa, tu fais que dormir.
Au bout d'un moment, forcément que ça pose souci, hein. Tu dors le matin, tu dors l'après-midi, tu dors la soirée, tu dors la nuit. Oh, j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup la musique là. Je pourrais me laisser tenter par une petite citadine si elle ressemble à ça. Oh là là, le petit déplacement sur l'extérieur, c'était beau ça. Oh, c'était beau ça. Et la mini qui se conduit bien là. Oh, il va se calmer avec sa... Oh, la Ford Lamazda là, vous passez derrière. Ah, par contre, elle se conduit bien, mais elle a pas de patate la mini. Hein. Allez là. Ah putain, mais ils sont trois de front, les gars. Ouf. Ouais, là, j'ai un petit peu mal négocié le virage. Hein. Allez, barre-toi avec ta Mazda là, putain. La Golf, il envoie. Hein. La Golf, il envoie. Extérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Non, même pas, je peux pas. Il a une meilleure reprise des gaz là. Oh bâtard. Oh bâtard. T'inquiète pas pour le sable. Il en faut plus pour abîmer cette peinture. Bon, là tu repasses. Oh non! Je renvoie le boost au mauvais moment, mais qui est con! Oh non! Mais quel con, j'ai fait trop tôt! La musique est trop cool, on dirait un peu de Kavinsky là. Les designers réputés qui ont travaillé dessus ont toujours respecté son style britannique. Putain, mais quel con! Ça fait jamais de mal, non? N'hésite pas à l'examiner sous toutes les coutures. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est bâtard. Si tu veux te lancer dans la custom, un petit conseil, garde l'esprit ouvert. Là, t'es sur une européenne. Il y a beaucoup de styles différents en Europe. Renseigne-toi. Mon préféré, c'est le German look. Abaissement maximal, carrosserie enlevée, jantes de petit diamètre avec un grand déport. C'est un style qui s'est resté fidèle à l'original, pas si éloigné de ce qu'on a aujourd'hui. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a tellement de types de modifications. Choisis un style, ajoute ta touche, change la donne, c'est la voie à suivre. C'est bon, je suis en train de prendre de l'avance. Ah! Je regarde encore le chat, putain. J'aime beaucoup le son des voitures dans les tunnels. C'est hyper bien foutu. Wow, j'ai pas fait exprès mais ça m'a fait prendre un joli virage. Il est pas très loin avec sa Golf quand même. Hein. Première erreur, il repasse. Hein.
Allez, on y arrive là. Let's go. Tu as des clones donc c'est pas pareil. Comment ça j'ai des clones? Vous allez voir que j'ai pas de clones. Je vais vous le prouver bientôt. Vous avez référence aux gens qui disaient que le jeu de base serait à 150€, c'est n'importe quoi. Ouais, non mais ça oui. Là, entre ça, il y a une nouvelle rumeur aussi. Et merci personne. Merci personne pour le resub. Il y a une rumeur aussi où le jeu ferait 875Go. Ils sont tarés les mecs. Bonsoir personne, bienvenue à toi. Qu'est-ce que... Quand tu auras le jeu, tu diras putain après tout ce temps que j'ai attendu pour au final que le jeu entre les mains. Mais c'est ça. Et se dire que 3 semaines après la sortie du jeu, il y aura déjà des Google qui nous feront chier que j'étais à 7. Le show Liberty Nation continue. Mais oui. Bah non, par contre, c'est pas 875Go, c'est la mémoire sur la PS5. Et ils disent que le jeu va faire 748Go. Et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que s'il fait 750Go, il te reste que 75Go pour d'espace sur ta console. Donc dès la première mise à jour, t'as plus d'espace. Donc en fait, tu pourras jouer à GTA 6 que t'as une extension de disque dur. C'est... Oui, voilà, c'est optimisé comme un Call of, quoi. C'est comme si Activision faisait GTA 6, quoi. Je dois acheter GTA, c'est ça. Deux PS5 pour y jouer. Mais ça va être la prochaine rumeur, hein. GTA 6 nécessitera deux PS5. Oh, la petite Mercedes, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Petite régalade de la playlist Liberty Walk, hein, avec des bonnes petites bagnoles bien modifiées là. Hey, let's go. Tu verras à la fin de la playlist, c'est incroyable. Ah! On a des joueurs qui ont déjà fini ici. Oh, le bruit là, des rapports qui descendent là, ça faisait plaisir ça. Salut des Diablo et la Mafia. Non, mais avec les mods, il y en a bien qui vont les balancer quand même. Oh là là, allez. La petite grotte qui est bien sympa avec les lumières. Et écoutez un peu c'est pas les retours de flamme, mais quand ça crapote, quand tu lâches l'accélérateur là, c'est un petit délice ça. Vous allez voir, attendez, écoutez. Ah là là, ce petit délice là. Quand ça crapote là comme ça. Par contre, cocotte en montée, il faut peut-être accélérer là. Oula! Par contre, en montée, elle se traîne. Oh là là, comment elle se traîne en montée. Je dois dire qu'il y a de l'imagination chez les festivaliers. T'as beaucoup appris.
alors te retiens pas. Au prochain Custom Show, impose ton style. Maintenant, montre-moi ce que tu sais faire. Ah mec, ça fait 3 minutes 15 que je te montre ce que je sais faire là. Je suis omnibulé par ma course hein. Je suis dans mon truc, Je vois le chat qui défile de temps en temps, j'essaie de pas trop checker parce que sinon je vais me foutre en l'air. Mais je suis omnibulé par la map en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte là en 3 minutes 50 à quel point on a changé de paysage. On était au bord de la plage, dans la jungle. Là maintenant on est en montagne. La diversité de la map, pour moi c'est l'une des meilleures maps de... Et je parle de la map de Oahu hein, qu'on avait dans Test Drive Unlimited et dans The... Oh allez, regardez cette mer turquoise là. Ah putain. Oula. Ok. Voilà, bah, j'espère que vous l'avez bien vu. Oh là, la régalade. Voilà, on conduit bien là. Non, la map elle est vraiment cool. Hein. Et ça me rappelle tellement de la nostalgie. Ça me rappelle tellement le premier test drive sur lequel j'ai passé mes d'innombrables heures. Ah là, si je dis pas de bêtises, il y a un phare au fond. Je crois. C'est pas là qu'il y a le phare? Attends, mais non, là on est au nord-ouest de la map. Je sais plus où on est. Attends, nord. Non, attends, le nord il est là. J'essaie de me repérer sur le radar, mais il fait que bouger. Ouais, non, mais là on est tout au nord de la map en fait. Oui, non, mais c'est ça en fait. Là on est au nord-ouest. Ah oui, non. Là c'est pas là qu'il y a le phare alors. Le phare il est au sud-est. Attends, on est vraiment au nord. Bah oui, on est au nord. On est au nord puisque le nord est là-bas et là-bas il y a la mer. Donc là on est au nord de l'île. Voilà pour l'hibernation. On crapote pas nous. Toi t'as... Si tu crapotes toi. Toi tu crapotes. Homicide volontaire moi aussi. Bah voilà. Le raccourci du feu de Dieu. La map est cool franchement, surtout quand tu fais la playlist JDM. JDM c'est la playlist un peu où tu voyages. Tu voyages autour de l'île. Ma voiture préférée, c'est la Ford Mustang. C'est ma voiture de rêve. Et c'est une voiture que j'aurai un jour dans ma vie. Le jeu est sorti il y a pas longtemps ou c'est un jeu qui date un peu? Le jeu n'est pas encore sorti. Il sort jeudi. Il sort jeudi. Donc le jeu n'est pas encore sorti. Bien joué. Le jeu sort jeudi. Hey pilote, on revient de deux des trois piliers de Liberty Walk. Liberty Works, la customisation traditionnelle de Katasan basée sur des ailes larges avec de Katasan. Puis Liberty Nation, la customisation unique de Liberty sur n'importe quelle voiture au monde. Ça me stresse là quand il parle de Liberty. Il est donc temps pour toi de découvrir la troisième ligne de voilà, Liberty. Bah ma voiture de ma voilà, sur voilà. Alors, ma voiture ultime de rêve, c'est la Ford Mustang Fastback de 69. J'étais pas du tout fan des modèles de Mustang entre 2007 et 2013. Mais les nouveaux modèles de Mustang à partir de 2016, j'aime beaucoup aussi. Et les derniers qui viennent de sortir sont incroyables. Donc voilà. Liberty
Liberty Performance s'attaque aux supercars les plus incroyables et leur donne une touche supplémentaire ainsi qu'une bonne dose d'individualisme. Alors que Liberty Nation se veut plus tape à l'œil, Liberty Performance privilégie un custom subtil pour préserver l'identité des véhicules. Oh merde, et voilà. Et je regardais encore le chat. Voilà. C'est terrible ça. Et merci Anne Corbeil. Et bienvenue Bouchou. Le petit Darkro qui arrive sur le chat. Bienvenue. On va juste faire. Hop là. Parce que moi j'ai mon test à faire donc il faut me décapture là. D'ailleurs, le test de The Crew Motorfest arrivera jeudi, les amis. Notez ça. Le test sortira jeudi. On va conduire quoi ? Oh, la petite NSX ! Ouh, ça fait plaisir, ça. Ouh, ça fait plaisir. Bon, on est face à de la Murcielago, quand même. De la F40. Ah ouais, j'ai remarqué hein. À une époque, c'était une putain de F40 blanche là. Personne n'osait même y penser. Personne sauf Kato. Ok, super, avec des super cartes, tu passes en plein rond-point comme ça. Il a mis un Tito DR8 aussi. Customisé dans son propre style. Ça a changé la donne. Depuis, tout le monde veut modifier les voitures les plus exotiques. Oh, calme-toi derrière là. Mais il m'emmerde lui avec sa Lambo là de 3 fois qu'il me tamponne le cul là. Personnellement, si demain j'ai la chance d'avoir une F40, je sais pas si je serais capable de la custom. Cette voiture est beaucoup trop mythique et beaucoup trop belle, normale, pour que tu la custom en fait. Oh putain! C'est Franklin Clinton avec sa OB9F. Ah bah super. Super. Oh la Corvette aussi elle se calme là. Oh le sorti de virage je les ai déposés les gars. Ils ont rien compris. La NSX a un groupe motopropulseur hybride super puissant. Même avec la custom, sa vitesse sera toujours létale. Liberty Walk vend des kits carrosserie pour cette voiture. Ils en font même pour la Honda NSX de 90. Tu te souviens de Shinger ? Il rêve d'avoir un de ces kits. Allez, fais le taf maintenant. En vrai, j'aime beaucoup les bagnoles de Liberty Walk. De Brabus, de tous les préparateurs auto qui font des choses vraiment incroyables. En revanche, si demain je vais avoir une bagnole comme ça, je sais pas si j'oserais en fait faire une custom. Genre une Mustang est déjà tellement belle de base. Même une Ferrari, tu prends la Pista. Mais la Pista elle se suffit elle-même, pourquoi tu veux la custom en fait? La F40. Putain, mais si demain t'as une F40, tu la laisses comme ça en fait. Tu pourras pas la conduire en France, comment ça? Elles sont homologuées hein. Les préparations Brabus, etc. C'est tout homologué pour la France hein. Mansouri, excellent. Mais Mansouri c'est plus luxe quand même.
Brabus et Mansouri. En fait, Liberty Walk, ça fait très. Ça fait très. Tuning. Brabus et Mansouri, ça fait très. Ça fait très luxe. Préparation luxe. Mais même ça. Même ça, quand tu vois les préparations des Rolls Royce, etc. Pas, je sais pas, je trouve que ça casse un petit peu le. J'aime trop le jeu, mais c'est une copie conforme de Forza, j'adore. Alors, copie conforme, je sais pas, je trouve que les. Le jeu est plus original au niveau des playlists. Au niveau des playlists, je trouve qu'il est plus original. Après, oui, ça reste un jeu en monde ouvert qui se déroule dans un pass, dans un endroit paradisiaque, donc. Oui, effectivement. Oh putain, on va conduire une Lamborghini. On va conduire une Lamborghini. Il s'avère que Kato-san adore les Lamborghini. Donc nous devrions bientôt avoir la réponse. Que Maître Kato dirait que tout est question d'équilibre, de passion et de talent. Sans oublier beaucoup de créativité. Putain, mais il est où mon épreuve là? Merde, je m'en éloigne. Elle est où mon épreuve là, bordel? Je veux pas faire le défi à la con, moi. Mon épreuve, elle est où? Elle est où mon épreuve? Ah non, mais c'est elle? Ah oui, c'est elle. Merde! Mais pourquoi je me suis trompé de route? Ah, je me trompe de route et dans le chat vous me dites rien! Putain, vous êtes pas des bons copilotes, hein! Moi, mon rêve, c'est de conduire une Rolls Royce. Bah, alors j'ai jamais eu la chance d'en conduire une. Mais je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment la meilleure voiture à conduire? Ça doit être hyper agréable, ok. Mais et pour moi, la Rolls, c'est vraiment la voiture où tu te fais conduire. Alors, c'est pas l'édition Gold, j'ai reçu un code d'Ubisoft, Steven. C'est une version presse envoyée par Ubisoft. Le live sature. Sature comment? Oula! 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 Le monsieur là. Vous avez un problème, monsieur? Vous avez un souci avec votre. Ah! Ah bah oui! Bah visiblement. Visiblement il y a un problème. Visiblement il y a un problème. Ça va falloir. On va le sauvegarder quand même. Après Rolls, si je peux en conduire une carrément, mais. Mais pour moi, la Rolls, c'est plutôt la voiture dans laquelle tu te fais conduire. Puis d'aller prendre Aventador. Ça, c'est mon rêve. Ah, mais il est là le phare, voilà. C'est ce virage que je disais avec le phare. Mais ça, par contre, une Aventador. Ça, si tout va bien, je veux pas trop m'avancer, mais normalement, j'en conduis une l'année prochaine. D'Aventador. Et ça, j'avoue que. Ça, j'avoue que voilà. C'était d'un coup, bah voilà, putain, mes bouts de shoot, on a pas bien des conneries sur le chat là. Avec ça, une performance. Véhicule haut de gamme, traitement différent. Un tuning plus léger, des diffuseurs frontaux. Voilà, par contre, ça se conduit, mais comme un karting. C'est un karting. Ah, mais il y a la Bugatti aussi, j'avais pas vu. Ah oui. D'habitude, je jure que par les grosses modifications street, mais là, c'est sublime. Oh, la Bugatti Chiron aussi, oh là là. Ouf. Oh la violence. Je l'ai pas vu venir celui-là. Et salut Slow Day, bienvenue à toi. Première fois sur le chat, bienvenue. Nickel, ils se sont bien gênés. Ah, bâtard!
Carrera GT, ça aussi les amis, ça c'est de la bagnole. Ça c'est de la sacrée bagnole. C'est laquelle devant? C'est Ferrari devant. C'est Ferrari. Oh bâtard, il a failli me mettre sur le... Il a failli mettre sur le pilier ce bâtard. C'est carrément une Ferrari devant. Eh oui. Alors c'est clairement pas le modèle que je préfère celui-là. C'est vraiment pas le modèle de Ferrari que je préfère. Mais V12. V12 très puissant. Ça envoie du pâté quand même. Les musiques j'adore trop là. Ça fait vraiment ambiance Kavinsky hein. Que l'Aventador a aussi été amélioré plusieurs fois par Lamborghini. Ouais. exemplaires dans le monde. Et peut-être 10 custom par Liberty Walk. Pensez avant de l'envoyer sur une barrière. Ah mais je compte pas l'envoyer sur une barrière. Hein. Mais si tu la flingues, t'auras affaire à la représentante du Motorfest. Paraît qu'elle fait partie d'un gang de motards. Mais je suis un pilote. Tu vois ce que je veux en faire de la représentante. Elle va rien comprendre. Les musiques, elles régalent. Voilà, ça, ça régale. Ça régale la petite Lambo, là. Attention dans le tunnel. Et let's go. Cette course est étendue. T'as beaucoup joué à The Crew 2. Ah je l'ai poncé, je l'ai terminé de ouf. Je l'ai terminé de ouf. J'irais de faire un karting. Alors un karting c'est avec un K. Bugatti, un de mes rêves. Bugatti, j'avoue que Bugatti, Bugatti c'est la folie. Hein. C'est un SUV de Mercedes, regarde sur Google. Lequel? Perso j'ai déjà conduit un train lors des journées mondiales du patrimoine. Chacun son plaisir de conduite. Chacun son plaisir de conduite. Bravo pilote, de nouveaux challenges t'attendent. Un petit challenge qui nous attend, bah let's go hein. On ne recule pas devant les challenges. On va faire une petite pause quand même parce que moi j'ai soif hein. On se garde sur le bord de la route forcément pour boire un coup. Hop là. Monsieur mine de rien, il fait chaud. Je fais que parler. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous faire conduire? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire conduire? Ils vont nous faire conduire la Ultima. La Aventador Ultima. À tous les coups. Ou une SVJ.
Ouais, va se calmer avec son Audi TT lui. Tu stream jusqu'à quelle heure? En général, on fait 2h, 2h30 de stream. Jusqu'à 22h30, 23h. Modèle qui a déjà été amélioré par le fabricant. Disons la Lamborghini Huracan. Ah. Huracan performante. OK. OK, OK. OK, tu vas te calmer là avec sa Mazda de merde là. Ah mais ça c'est des joueurs du coup non? Parce qu'ils sont pas fantômes. C'est des joueurs ça je pense. Ça c'est pas prendre un virage sac à merde. Putain mais lâche-moi la grappe bordel. Oh non! Oh non, qu'est con! Mais j'ai encore envoyé mon boost trop tôt! Oh putain, le bus, comme il a perdu un coup de frein! C'est tout simplement la version circuit de la déjà fabuleuse Huracan. Encore plus puissante, avec de la tech en plus et des améliorations. Et salut Jade! Design. Oh là là, il bug plus quand j'arrive, chouette! On y applique le savoir-faire. Comment ça, le bug buguait? Non, là, je suis sur PS5 là. Je suis sur PS5. Bah vu la catastrophe de la version bêta, j'ai pas osé prendre un code de la version PC. Je me suis dit sur PS5 qu'on va être bien. Et voilà, c'est ce qui t'attend sur la grille de départ. Je parie que tu as hâte de la découvrir. Bah une petite Huracan Competition performance, ouais. Ouais ouais ouais. Nous sommes au summum de la playlist. Tu penses être à la hauteur? Comment on se retrouve avec la Mazda? Moi je vais couper. Ah oui d'accord. J'avais pas. Ah oui j'avais pas vu Oh il va. Il va rien comprendre avec sa Mazda. J'étais derrière lui, il va me voir devant lui en mode what the fuck. Quoi couper? Bah là du coup Jade t'as tellement fait crasher qu'il n'y a plus de GTA RP. Ils ont fermé tous les serveurs. Mais normalement GTA RP on va reprendre. Et je sais pas encore quand. Mais on va reprendre on va reprendre GTA RP Oh la petite RP Huracan performante franchement performante. Performante. On dit pas non hein. Oh la Pagani. Aïe 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 aïe. J'avoue que la Huracan a fait plaisir aussi. Je suis plus Aventador. Une Lamborghini Huracan performante avec une touche spéciale performance de Liberty Walk. C'est des kartings à conduire. Ta voiture est monstrueuse. T'as aucune excuse. Bah l'excuse c'est l'IA qui conduit comme des. Oh là là putain. Mais bordel! Ils ont ajouté quelques modifications personnelles. Ouais, avec le turbo, c'est laisse tomber quoi. Allez, McLaren a dégagé. Oh bâtard! Bien vu, bien joué ça! Ah putain, je l'ai pas vu lui. Ah là là, j'ai pas pris la corde. La Huracan est la voiture la plus puissante de sa catégorie. Tout comme les voitures que t'affrontes. Mais il m'emmerde avec sa pista là, putain. Là, t'es dans la ligue des élites. Oh, il a planté un coup de frein jusqu'à quand j'arrivais ce bâtard. Pour résumer, l'une des hypercars les plus impressionnantes jamais conçues, revue à la sauce Liberty Performance. Tu penses être capable de la maîtriser? Bien sûr que je vais la maîtriser, qu'est-ce que tu me prends pour qui lui?
On a déjà passé par là, non? Ça se conduit bien, franchement, on sent la différence entre la Chrysler, la BM, la M4 qui était lourde. Là, c'est un karting. Hein. Tu vas pousser cette voiture à sa vitesse maximale ou quoi? Voilà, la voie est libre. Déchaîne-toi. 330, un truc de fou. Aïe. Oh non, checkpoint raté sous ma gueule. Sympa ici. Je suis plutôt habitué aux routes de Tokyo, surtout la nuit. Mais les balades ensoleillées à la campagne, pourquoi pas? Tant qu'on roule en Lamborghini. Allez, fonce. Oui, j'avoue. Que tu sois à la campagne ou en ville, tant que t'es en Lamborghini, tu vas me dire. On est plutôt bien. Hein. Oh, les grandes autoroutes d'Hawaï, ça me rappelle vraiment Test Drive là. Et let's go, on a fini la course à 357 km/h. La sauce Liberty ça va être top. Oh putain, c'est dégueulasse. C'est vrai, pourquoi changer ton pseudo? Yo mon Chris, ça fait vraiment plaisir. Salut Boulouga, bienvenue, ça y est. Eh oui, c'est le retour des vacances là. Enfin vacances. La pause en stream, mais j'étais pas en vacances. Ce jeu j'attendais pas du tout, mais en fait c'est une belle surprise. Mais carrément Arco, moi c'est pareil hein. Quelle victoire! J'ai ma petite idée de ce qu'il y a prévu vendredi, mais j'en dirai pas plus. Vendredi? Comment ça, vendredi? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu parles, Boulouga? Bien joué. Il y a quoi vendredi? La philosophie de Liberty Walk sous tous les angles. Maintenant, tout comme Kato-san, c'est à toi de passer au niveau supérieur. Dernière course de la playlist sur mon site. Sont pas seulement belles à regarder. Sur mon site ou sur le planning des streams? Toi pour ton dernier défi Liberty Walk, la grande boucle. Trois voitures customisées, une pour chaque ligne Liberty, dans une grande course qui fait le tour entier de l'île. Ah non, mais le stream surprise, je l'ai dit.
C'est en gros, normalement on a une soirée multigaming avec d'autres streamers et streameuses. Mais c'est pas encore sûr. Donc c'est soit ça, soit BioShock. Tu pensais à quoi, Bouluga? Aïe, coup dur. Tu pensais à quoi, Bouluga? Sympa la Ford, ouais, la Mustang, mon petit Enzo, c'est la base. Hein. C'est la base. Ça y est, les Aldor? Ça y est, elle fait dodo Lisa. Là, je lui avais dit... ouais, j'avais dit 21h30, 21h40, c'est ça. Hein. Ah Burger Tuch, ça revient... Ça va revenir. Je suis en train de préparer le nouveau. GTRP, ça va revenir aussi, mais je sais pas quand. Je sais pas quand. Les deux vont revenir, c'est sûr, mais pas cette semaine, non. J'espère que 80 bornes de plus. Ah ouais, sacrée course là. Ah ouais, mais ils vont nous faire changer de bagnole à chaque fois en fait. Je déconne pas. Tu viens de signer pour une course qui fait le tour de l'île. Ah, le tour de l'île. Ah ouais, let's go. Tu vas piloter 3 voitures l'une après l'autre. D'accord, ouais, voilà. Chaque ligne de Liberty. Ouais, donc on va avoir la Mini Cooper, la Huracan et la GTR. Mais bah du coup c'est 21h40. On va voir le tour de l'île combien de temps on met. Parce que dans le premier test drive qui était à l'échelle 1-1, le tour de l'île on mettait à peu près 3h30-4h. Donc là on va voir combien de temps on met. Hein. Ouais, la voix qui parle elle est très kitsch. Hein. Ouais, d'accord. Du coup, comment ça va, Jade? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait plaisir de te voir sur le stream. Comment tu fais pour jouer à la manette? J'ai... En fait, j'ai le volant, j'ai le pédalier, mais j'ai pas le siège qui va avec. J'ai pas le siège baqué. Donc, en attendant de... me faire le vrai setup, je me fais meilleur. Depuis que je suis gamin, je joue à énormément de jeux de bagnole. Et quand j'étais gamin et tout, j'avais pas la chance d'avoir le pédalier et tout. Donc j'ai pris l'habitude de... J'ai pris l'habitude de jouer à la manette, quoi. Mais pour un The Crew Motorfest ou un Forza Horizon, je suis même plus à l'aise à la manette qu'au volant. Après, pour un Gran Turismo Formula One, bon, effectivement, là... Alors, pour le moment, The Crew, parce qu'il se passe à Hawaï, et que bah, c'est la map du premier test drive, et que c'est la nostalgie qui parle, et que je trouve que c'est l'une des meilleures maps de l'histoire. Mais The Crew, mais Forza Horizon 5 reste très 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 bon. Bah écoute, ça va nickel, Jade. Hein. Reprise des streams aujourd'hui. La production du documentaire à New York, quasiment terminée. Pas mal de très gros projets pour la rentrée et pour l'année prochaine. Donc ça va. Hein. On avait commencé à 21h40, on a dit. Hein. Faut bien se rappeler. 21h40, on a fait 17%. Ah, mais en fait, le tour de l'île va être très rapide, en fait. Hein. Le tour de l'île va être très rapide. La conduite par rapport à The Crew 2, elle est largement mieux. Dans The Crew 2, c'était très arcade. Là, on reste sur de l'arcade. On n'est pas non plus dans la simulation. Mais ils ont vraiment amélioré le truc.
Ok, 20% en 6 minutes. Donc logiquement 40% en 12 minutes. 60% en 18 minutes. 80% en 24 minutes. Et donc du coup 100% en une demi-heure quoi. En gros à 22h10 on a fait le tour de l'île. Le freinage, l'accélération par exemple, là tu oublies complètement d'arriver et de déraper comme dans un burn-out en prenant tout ton virage en drift, tu peux pas. Tu fais ça, tu pars tout droit quoi. Il faut bien freiner en amont, prendre ton virage. La conduite des véhicules, genre là entre la conduite de la Cooper et de la Aventador, ça a rien à voir. Tu ressens vraiment le... tu ressens vraiment le, comment ça s'appelle, la différence de poids, etc. En sortie de virage, si tu renvoies trop vite les gaz, tu perds le contrôle. Ils ont vraiment là, ils ont vraiment bossé ça et c'est plutôt plaisant. Bah le couple là, tu le sens surtout en sortie de virage. Genre bon là avec la mini pas trop, tu vois. Mais si je reste plein gaz en sortie de virage et que j'envoie le boost, je me fous en l'air quoi. Après, comme je te dis, on reste quand même dans de l'arcade. C'est-à-dire que tu sens qu'on tend vers de l'arcade réaliste, mais on reste quand même dans l'arcade. Genre, c'est quand même facile à conduire, tu vois. Pour ceux qui sont pas habitués, c'est quand même facile. T'es pas dans la simulation. Tu vas pas faire 15 têtes à queue avec ta Lamborghini parce que en sortie de virage, tu renvoies trop les gaz, quoi. Sachant que je vous rappelle que The Crew Motorfest sort jeudi. Et pendant 5 jours, il est gratuit pendant 5 heures. Sur tous les supports. Donc vous allez pouvoir tous y jouer à partir de jeudi gratuitement pendant 5 heures. Donc pour le tester, c'est top. Salut Soso, comment ça va? Ah non, on repasse avec la BM. Ok. Bon, la dernière bagnole, ce sera la Huracan. La Huracan ou la Aventador, mais je pense que c'est la Huracan. La BM se conduit bien aussi. Hein. La BM, franchement. Ouais, sur toutes les plateformes. PC, PlayStation, Xbox. En fait t'as un accès anticipé de 5 heures. Enfin pas un accès anticipé mais un accès privilégié de 5 heures. Et donc tu peux jouer au jeu pendant 5 heures. Et tu as 5 jours pour le faire. Mais par contre c'est pas 5 heures par jour. C'est 5 heures pendant 5 jours. Si tu joues pendant 5 heures le premier jour, bah après tu peux plus jouer. Est-ce qu'on peut te charger avant jeudi? Ça je sais pas. Ça honnêtement je sais pas. À voir. Je pense que sur Xbox tu peux parce que en général tu peux. Mais je pense à maintenant que tu peux. Hein. Après le jeu il est pas gros. Hein. Là sur PlayStation 5 il fait 32 Go. Donc ça va. Là. Ah super. Non, c'est pas la bêta. J'avais pas effacé la bêta sur la play comme je l'avais stream cet été. Et comment ça s'appelle c'est deux fichiers différents. Donc la bêta elle sert à rien, tu peux la supprimer.
Putain, mais en fait, ça va faire moins d'une demi-heure, en fait. On arrive à 50%, j'en suis qu'à 10 minutes de course. Le tour de l'île est super rapide, en fait. J'ai eu peur là. J'ai vu le pilier du pont arriver très fort. Je me suis dit Ouais, j'ai importé mes voitures de The Crew 2, ouais. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Même si le nombre de voitures de The Crew Motorfest est assez insane. Ils en ont beaucoup. Alors, pas plus que Forza, je crois, mais ils en ont quand même vraiment beaucoup. Mais c'est déjà bien de repartir avec ces voitures de The Crew 2, ouais. Putain, mais du coup, Lisa s'est vraiment endormie. Ça me fume. La BM se conduit vraiment bien. La BM se conduit vraiment bien. Putain ouais, mais on en est déjà là. Ah, c'est là qu'on se rend compte que la map elle est vraiment petite en fait. La map elle est vraiment petite. À retrouver la Warakan, les amis. Vous êtes prêts à retrouver la Warakan? C'était sûr. De retour vers Liberty Performance. Avec la voiture customisée la plus rapide de toute cette expérience. Ah non, mais laisse tomber. La Huracan Performante de Liberty Performance. Laisse tomber, en fait, le tour de l'île, on va le torcher en. Voilà, je vise le tour de l'île en 17 minutes. Et encore. Honnêtement, en 15 minutes, c'est faisable, je pense. Tu connais la voiture et elle te connaît. Lâche rien et finis cette course. Ça, c'est vraiment dommage, quand même. Il va y avoir des grosses lignes droites là. Ah non, mais peut-être que les grosses lignes droites on les a passées en fait. Peut-être que dans celui-là en fait c'est pas tant des grosses lignes droites.
Là on est à 90% de la course. En 16 minutes. Franchement, je savais que la map était plus petite et qu'elle n'était pas à l'échelle 1-1, donc qu'elle était plus petite que celle de Test Drive. Mais là quand même, c'est vraiment plus petit quoi. Je m'attendais à faire au moins une heure pour le tour de l'île quoi. Merde, j'en ai le... Oh non, j'en ai le chat. Oh, j'avais tablé sur 17 minutes. J'avais tablé sur 17 minutes, est-ce que... Eh ben let's go les 17 minutes. Je dois y aller, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée mon Soso. Merci beaucoup. Va sur mon site, tu verras le planning, mais il y a un live demain, mercredi et vendredi. À demain Soso. Il est temps de récupérer ta récompense. Ton véhicule t'attend. Et ben voilà. La playlist Liberty Walk s'est fait. Sympathique. Eh bien, pilote, sympathique. Stoïque Toji est tombé sous ton charme. Tu as l'esprit liberté en toi. Cette course était tellement folle. On n'a jamais dû voir quelque chose. Du coup, ouais, le tour de l'île. Quelle performance, en 17 pilote. Minutes. À ce rythme, il me semble que sur Test Drive Unlimited, le tour de l'île avec la voiture la plus rapide, donc c'était la Bugatti Veyron, il me semble que c'était une heure. Mais genre vraiment à 400 km/h quoi. Donc là... Là j'aurais été curieux de faire tout le tour de l'île avec la Warakan. Tu as brillamment terminé. Mais j'avoue que... Il ne te reste plus qu'à te rendre au container pour recevoir ta récompense. La BMW M4 par Liberty Walk. Ok. C'est bien elle. Ils vont nous offrir la BM. Par contre, putain, elle casse les couilles, l'IA là, de nous. Oh là, oula, 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 ah bah super. Customiser ta propre voiture. Ah bah super. Les nouvelles voitures, on va te montrer ça. N'oublions pas notre on va te montrer ça. Pour présenter tes meilleures créations. Peut-être que tu peux même rivaliser avec Maître Kato lui-même. Je suis certaine que tes jours en tant que customiseur sont loin de toucher à leur fin. Oh, le mec il arrive, fout le bordel. Salut! Je viens récupérer ma récompense. La petite BM qui va bien. We'll be right back.
Ouais, les cinématiques elles envoient. Les cinématiques, vous allez voir. Alors, la Japon, on l'a déjà fait, ça on l'a terminé. Attends, mais Japon, j'en suis à la fin de la Japon. Allons terminer cette playlist. Ouais. Mais là d'abord, on va aller. Ah bah oui, les véhicules. Donc ça, c'est mes véhicules à moi. Je crois. Non. J'ai pas souvenir d'avoir la Porsche Spider. Si, ça doit être mes voitures, je crois. C'est mes voitures, mais sans... sans comment ça s'appelle, sans le livret. Ouais, ça, c'est mes voitures, ouais. C'est mes voitures. Genre, techniquement, voilà, c'est genre de Mustang là, c'est ça que j'aimais vraiment pas, ça. Ces modèles là. On va aller au... Ah, on peut la customiser. Attendez. Parce que je pense que là... Comment ça? Ah non, ils n'ont pas encore fait. Il y avait... Ah, ils ont enlevé tous les livrets, merde. Et il n'y a pas moyen de les remettre... Parce que sur celle-là, ils avaient fait la livrée Ferrari. Et du coup, tu roulais avec la Ferrari de Charles Leclerc plutôt que... Ah, la Dodge de Driver, quoi. Mais du coup, attendez, on va aller... On va aller au lieu de... au motor machin, là. Non, entrée. Ah, on peut, voilà. Et pour montrer les nouvelles bagnoles. Alors, attendez, c'est déjà... J'ai des récompenses à récupérer. Il faut accéder au menu main stage à partir de ce conteneur. Bah oui, mais... Moi, il veut pas en fait. Ah non, mais d'accord, faut que je fasse deux playlists, ok. Toutes les playlists, donc je pense qu'après, voilà. Et on va finir la japonaise parce qu'il reste deux épreuves. Je sais qu'on les avait déjà faites ensemble, mais il reste deux, donc on va les torcher. Et après, on va faire les American Muscle Car. On va faire ça. Le Vintage 911, on les avait déjà fait, donc ça je les ferai hors ligne. Mais il y a pas mal de playlists. Ah, la playlist moto, ça on va la faire. La playlist moto, oh la playlist. Or celle-là, ou celle-là qui va me hyper, je pense que celle-là on va la faire direct après. Ah ouais, non mais ça, laisse tomber. Celle-là on va la faire direct. Mais là on va regarder les voitures parce que du coup, Slow Day il veut voir les voitures. Bienvenue au Custom Show. Ici, tu peux voter pour tes véhicules préférés de la semaine ou inscrire ta voiture customisée au concours pour obtenir des récompenses en fonction de ton classement. Putain, mais les Mustangs, ça y va. Il y a que des Mustangs, bordel. Où est-ce qu'on achète les bagnoles ? Voilà, catalogue de véhicules. Ah, c'est ça le nouveau, le quad. Coûte combien le quad? 160 000. Oh, la petite... petite KTM, pas mal. 400 000. Ok. Donc Acura, Ariel, Aston Martin. Ah, ils ont pas mis la Valkyrie. Un petit peu déçu. Une petite Valkyrie, ça aurait pas fait de mal. Audi. Bentley. BM. Petite BMW M2. Bugatti. Ah, Bugatti. La Sento Dieci. La Chiron.
Encore une Chiron. Encore une Chiron. La Chiron Super Sport. La Divo. Magnifique la Divo, putain. Super Sport. Ah, excellent. Excellent. L'Aveyron, forcément l'Aveyron. Les petites Cadillac, putain, Cadillac, ça c'est magnifique. Ça là. Petite Cadillac Eldorado. Chevrolet. C'est quoi cette voiture? C'est quoi cette Camaro S dégueulasse? Très déçu par la Camaro, hein. J'en ai conduit une, c'est un bateau. Si on me demande de choisir entre Mustang et Camaro, mais c'est Mustang de large, la Camaro, on dirait un bateau, tu vois rien. Chrysler, Citroën, la petite DS, la Citroën DS. Creator, oh la DeLorean, incroyable. Oh, la Tempesta, pas mal. Hein. Et ben voilà la DeLorean, là, elle est là. Oh putain, la DeLorean Monster. Énorme. Dodge, putain, ça aussi, la Challenger comme ça, c'est un de mes rêves. C'est un de mes rêves. Incroyable. Oh, Ducat. On les a vus, hein, Ducat avec la petite Panigale là. Fender. Oh, ça c'est pour les voitures, les activités Destruction Derby. Ferrari, ça aussi, mais quelle marque. Quelle marque. La 458 spéciale. Et... Ah, la 512, magnifique. À pas confondre avec la Testarossa. Hein. Alors, la 812, je suis vraiment pas fan. La Enzo. Enzo, c'est formidable. La F12, pareil. La F12, je suis pas fan. La F40. Ford. La petite Ford Crown Victoria, là. Magnifique. Putain, il y a la limousine aussi. Incroyable. Mais je veux trop une limousine. Je veux trop une limousine, bordel! Hummer électrique, incroyable! Harley, Honda version moto, Hummer. Ah, mais il y a aussi Hummer comme ça. Par contre, ils ont pas mis le H2, ils déconnent, les gars. Les gars, le H2, il est où là? Putain! Mettez-moi le Hummer H2, bordel! Infinity. Ivory Tower. Ah ouais, d'accord. Ivory Tower. Leur petite monoplace, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. Jaguar. Jeep. Kawasaki. Y'a pas la mienne, bordel. Fais chier là. Vous auriez pu mettre une ninja sans déconner. Hein. KTM. Ah, Lambo. La nouvelle Countach. Celle-là. Pa. Magnifique. Magnifique, c'est quoi cet ovni? La Egoista, c'est... Bah oui, c'est très égoïste comme design. Land Rover, Lotus... La Mercedes... La petite SL... Ah, il n'y a pas la SL65. SL63. Mercedes-Benz... Mini Mitsubishi qui va y avoir forcément. Ah non, y a pas la. Oh, y a pas la Lancer Evolution 8. Oh non. Ah, c'est la Lancer Evolution 7 et 8 les plus belles, ils ont pas mis. McLaren. Pagani. Salut Mani, bienvenue. Pas gagné aussi un sacré bagnole. Peugeot. Vive la France. Ils auraient pu mettre quand même la RCZ. La Playmouth, Pontiac, Porsche. Les protos. Ça c'est carrément des FE ça. Excellent. Red Bull. Ah mais il y a la dernière. Ah nice. Comment je la gagne celle-là? Ah bah non, mais ça les gars, on va les faire direct. On va les faire direct, je vais gagner la nouvelle Red Bull moi. Renault, incroyable.
Ruff, Saline, Shelby, et Spiker. Oh, Suzuki, TJ SXR, pas mal. Pas mal, pas mal. Toyota, TVR. Oh, la R1. La R... Ah non, c'est la M1 du coup, c'est la version sport, la version de course. Ok. Ok, bah on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On va partir sur... On va partir de là. On va partir de là. Et on va... Oh là 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 là. C'est la voiture de Daniel Ricciardo, la 3. On va faire quelle playlist là? Juste mes véhicules d'abord, je veux voir un truc pour mes véhicules. Comment je reviens à la liste de tous mes véhicules là? Pour voir s'il y a... Parce que celle-là... C'est quoi cette livrée de merde? Ah mais c'est moche. Mais quoi, ils ont pas encore fait la Skyline. Enfin ils l'ont faite mais en grise. Ils sont cons quoi. Le mec il a pas trouvé il a pas trouvé pour changer la couleur ou quoi. Putain mais pourquoi ils ont enlevé toutes les livrées? Même pendant la bêta on l'avait, bordel. Bon c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va partir avec la Ferrari. En noir, ouais, ouais, en noir, bof. Les playlists, elles sont où les playlists? Activité. On a dit que là, on voulait faire... Ça, direct. Ah merde, faut que j'achète ça. Ça va coûter cher. 800 000! Ok. Bon. Ok, ok, on panique pas. On panique pas, on panique pas. On va finir la playlist Japon parce qu'il nous reste deux courses. Reprise de la progression de la playlist. Il nous reste deux courses donc let's go. Et objectif, c'est 800 000 pour acheter la bagnole. Et comme ça on fait les courses. Vous savez, vous vous rappelez pendant la bêta, il y avait les nouvelles courses où en fait fallait changer les pneus et tout. Oh merde, je pensais que je pouvais casser le mur. Bah non, faut pas casser le mur. Et donc là en fait c'est ça en fait. C'est le... C'est la playlist où on peut changer les pneus et tout. Donc j'ai trop envie de la faire. Putain mais je regarde le chat à chaque fois. Mais ouais 800 000 c'est pas donné hein. Oula 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 la Ferrari. Oula la Fefe qui... Prépare-toi à une course folle. Ouf. Le pack ne t'a pas encore montré tout ce qu'ils peuvent faire et je crois qu'ils sont prêts à tout donner. Je suis en train d'exploser ma Ferrari là. La TF, pas si facile à conduire. Hein. Est-ce vraiment fiable de commander sur un stand gaming? Bien sûr. Une bonne fois pour toutes que tu es à la hauteur. Tous mes jeux PC, même pas que PC, je passe beaucoup pour un stand gaming. Et bien sûr. Une vraie conduite de pro. Mais Jade, j'ai une conduite de pro. C'est juste que là je suis à la manette, c'est pas facile, c'est pour ça. Hashtag mauvaise foi. Là je suis surtout en mode libre, je suis en mode course. En mode course, j'ai vraiment la conduite de pro là. Mais si tu vois, là on passe sur la conduite, tu vois, je me remets bien droit, voilà.
On se remet bien droit et là là on va mettre des choses au point là. Non, Slodway, c'est... Si t'achètes ton jeu sur Xbox Series X, tu auras la version Xbox Series X. Hein. Putain, c'est là, j'ai mis la pression en disant que là, je faisais le pilote et je vais me rater. Et Jade, elle va se foutre de ma gueule. Je parie que c'est ce que t'attendais en participant à Made in Japan. Des voitures customisées qui roulent à fond en centre-ville. Oh, il m'a poussé! Il m'a poussé, Barter! A été exaucé. Toutes les voitures sont au sommet de la mare. Surtout la tienne, la Mitsubishi Lancer Evo X de Toji. Ouais, Toji est le customiseur du groupe. Il aime les voitures bien balèzes et bien vénères. On va prendre par l'extérieur, les amis. On va prendre par l'extérieur. Et voilà, ça fait deux dépassements par l'extérieur là. Moi, je dois avouer que j'aime beaucoup les dépassements par l'extérieur. Dans tous les jeux, même les jeux de Formule 1 et tout, les dépassements par l'extérieur, c'est ma petite spécialité. Je freine très tard en fait. Let's go! Une autre paire du JDM, c'est cadeau. Toji dirait même la meilleure de toutes. Oh! J'ai cassé un phare. Je vais plus rien voir. Oh voilà, la Mitsubishi, je trouve qu'elle se conduit très mal. Contrairement à la Lambo ou la BM. J'ai beaucoup de mal à les sorties de virage notamment. Plein de petits détails là, les pétales de cerisier qui volent et tout, je trouve ça très sympa. Et j'aime bien en fait quand tu fais les courses des playlists, parce que des fois t'en apprends beaucoup sur les voitures. Genre là, l'anecdote que la Lancer Evolution 10 n'a pas de marche arrière, je trouve ça complètement fou quoi. Et c'est cool d'apprendre des trucs. Le circuit est très classe quoi. En fait, ils ont fait une playlist vraiment spéciale Japon, et en fait, c'est que des trucs. Très inspiré bah, de la culture japonaise. Oh putain. En mode néon, etc. Donc la playlist, elle est très cool. Mais on l'avait faite en intégralité cet été. Donc là, du coup, je l'avais commencé en offline. Putain, il y a des virages, j'arrive pas du tout à les prendre. Et salut, Spitz! Bienvenue à toi, comment ça va? Et merci mon Plinks pour le partage du lien, t'es au top. La ligne d'arrivée est toute proche, les gars. Oh non putain, je regardais le chat. L'avance est abusée par contre. Ouais là je leur ai mis une bonne... Au niveau de comment ça s'appelle... De merde. Au niveau du... Merde. De la difficulté, c'est pas égal. Il y a certaines courses où les mecs ils vont te mettre la pression. Ils vont mettre la pression, mais jusque dans les derniers mètres. Il y a des courses où tu leur mets 15 secondes. Donc c'est dommage, le réglage n'est pas très bien foutu, c'est dommage. Bien vous, ça fait longtemps. Bah oui, c'est la reprise aujourd'hui des streams. C'est aujourd'hui la reprise. Comment ça va, Spitz? Allez, let's go. Là, on va conduire une petite Supra, les amis.
Oh la Skyline. Le Louveteau se fait désirer. Attends. Et salut Sonic, bienvenue. J'attendais impatiemment, je guettais tes réseaux. Bah voilà, ça y est, c'est le retour. Très content de te retrouver. Il est dispo sur Xbox One, Jad. Xbox One, PS4, PC, Xbox Series X, Series S et PS5. Extérieur, intérieur, ça c'était beau les amis. Ça c'était beau. Putain, par contre la Skyline, la puissance qu'elle va avoir. Waouh, bâtard. C'était un plaisir l'ami. Et on peut dire que t'as rempli ta part du contrat. C'est clair, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Ouais, ok. T'as pas mal assuré. Putain, par contre, y a aucune... Aucun fair play de la part de l'IA. Ouh putain, comment je me suis loupé là. Ah, je l'ai pas vu. Ouf. Je voyais pas le virage si proche. Pas si mal pour un bleu. Là j'ai géré là avec le petit boost, petit turbo et petit qui me fait partir en drift là. La Supra a été conçue à l'époque pour rivaliser spécifiquement avec nos voitures Skyline, MSX ou RX7. Et cette customisation est parfaite. Ouais, sympa. Mais oublie pas, rien de vol à R34. Bizarre. C'est pas faux. La R34 c'est la meilleure. Ouais, les voix d'Ubisoft, les voix des PNJ d'Ubisoft en fond, bon. C'est un petit peu too much. Putain, ce virage à chaque fois je me plante, putain. La Skyline, elle me lâche pas. Elle me lâche vraiment pas en fait. Les musiques sont très cool, ouais. Bon, après là, je suis un peu moins fan du genre. Ouais, les effets sont vraiment cool dans l'appli Japon, ouais. Et comment ça se fait que notre pote ait pas testé la MX-5 d'Ayato? C'est vrai ça? Qui sait, une autre fois peut-être. On est loin d'avoir tout vu des courses de rue japonaises. On continue à discuter ou on montre à notre nouveau membre qui sont les alphas dans ce pack? Ouais bah là les alphas... Mis à part Ren qui me talonne avec sa R34, les autres les gars... faites acte de présence hein. Une seconde 3, faut pas que je me plante à ce virage.
Faut pas que je me plante à ce virage. Je me suis planté, putain, mais c'est pas possible. Je l'ai anticipé en plus. Putain. On y est presque, les gars. C'est le moment ou jamais de sortir le grand jeu. T'as pigé, pilote? Il a dit de bombarder. J'ai un prénom, ok? Je m'appelle pas pilote. Let's go! Félicitations, pilote. C'est ça la course. Je crois qu'il y a du cross-platform, ouais. Je crois que c'est cross-platform, ouais. J'avoue que sur le classement, je comprends pas. Normalement, il y a mon pseudo qui s'affiche. Mais le jeu, il a décidé de pas du tout me respecter. Et du coup, j'ai même pas de pseudo en fait. N'oublie pas de récupérer ton véhicule en... Oh, il pleut! Il pleut! Et on va aller récupérer notre véhicule. Waouh, 9 km. Ok, on va y aller en avion. Salut, te voilà de retour de ce côté du Pacifique. On a une dernière surprise pour toi. Direction le container. Le donut d'Homer Simpson. Let's go. Oh putain, fallait passer dedans en plus, trop bien. Traditionnel et moderne était exceptionnel. Quelle culture automobile, fougueuse. Classe, sans aucune retenue. On espère que cette playlist a répondu à toutes tes attentes. Hawaï et le Japon ont beaucoup en commun. C'est parce que je suis là. Ouais, en fait, c'est ça, Jade. T'arrives, tu fais tout bugger là. Tant que les serveurs plantent pas, franchement, ça va. En ce qui concerne Hayato et ses amis, je peux déjà te dire qu'ils se sont drôlement bien amusés. Ah, ça a figé le stream carrément ? Leurs attentes. Être capable d'affronter ce groupe sur leur propre terrain et réussir à s'en sortir vainqueur. Après, il y a des petits détails qui sont cool. Regardez les deux petites cordelettes de mon pull en fait qui volent en fonction de la gravité. Je trouve ça trop marrant. Oula. On va s'écraser. Mais non, c'était une blague. Aimer piloter la Toyota Supra qu'on t'a prêté pour le dernier event. Je demande juste, sans raison. Par contre, c'est quoi l'intérêt de spoiler les voitures qu'on va nous offrir en fait? Tada! En fait, elle t'attendait depuis le début. La Toyota Supra A80, édition spéciale. Oula! Oh! Voilà, ça c'est une arrivée, les amis! Ça c'est une arrivée en fanfare! Arriver tout en maîtrise, exactement. Là, il y a du bon son, les gars. Ok, donc. Ok, celle-là on l'avait déjà faite. Ouais, mais ça on l'a déjà faite, putain. On l'avait déjà faite. Est-ce que je peux en faire d'autres? On est à 619 000. Bah, il va falloir que je fasse cette playlist-là en fait. Et dès que je ferai cette playlist-là, je pense qu'on aura assez pour que demain. On puisse faire celle-là. Ce qu'on va faire, les amis, ça va être ça. C'est que là, on va stopper ici. Parce que je dois faire le rendu de Welcome to Liberty City. Vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que pendant le rendu de la vidéo, moi, je vais finir les 2-3 playlists qu'on avait déjà faites pendant la bêta. Ce qui fait que j'aurai l'argent suffisante pour acheter la voiture. Et dès demain, on se reprend le stream et on attaque par la grosse playlist. Des voitures comment ça s'appelle
la grosse playlist où on va pouvoir faire les voitures compétition avec changement de pneus, etc. La vraie playlist compétition, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce petit live, ce petit retour. Waouh, putain, là quand on enlève le casque, ça fait du... J'ai l'impression de revivre, j'ai l'impression de vivre dans un bocal pendant 3 heures. Enfin, pendant 2 heures. Mais j'espère que ça vous a fait kiffer ce petit retour. Mais en tout cas, ça m'a fait trop plaisir, les amis, de vous retrouver, sincèrement. Ça faisait vraiment plaisir. Tu auras intérêt à prendre la... Ça va pas demain. J'espère que demain, en fait, il y en aura qui auront assez fait, qui auront fait tout ce qui est... livrée pour que je puisse remettre ma livrée Scuderia Ferrari et la voiture de Charles Leclerc là. J'espère que ça. Ah merci mon Pling, c'était au top. Merci pour les beats mon Pling, c'était au top du top. Merci en tout cas, ça a fait super plaisir de vous retrouver les amis, ça m'avait grave manqué. Je suis trop content, là, une grosse rentrée comme je vous dis. Cette semaine vous allez avoir des surprises sur Rockstar Mag, sur Naughty Dog Mag, peut-être pas cette semaine mais ça va arriver. Enfin je vous ai, voilà. Comme je vous ai dit, il y a Welcome to Liberty City qui arrive. Mais surtout, il y a le Making of qui arrive aussi. Où vous allez vous rendre compte de pas mal de choses de ce que j'ai fait cet été. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais de la F1, ça va arriver, Spit. Bah déjà, demain, dans la playlist, il y a de la F1. Et la semaine prochaine, on va faire sans doute du F1 Manager et du Formula 1 2023. Il y aura peut-être un soir spécial F1 et peut-être qu'on fera, voilà. Mais on va faire de la F1. On va voir de la F1, ça va être cool. Et voilà, mais en tout cas ça m'avait grave manqué. Et là du coup on est reparti. Donc là jusqu'à juin prochain, hormis si j'ai des déplacements ou quoi que ce soit, et ben on reprend tous les streams chaque semaine, enfin chaque jour de la semaine et tout. Et on va faire plein de jeux. Donc voilà, donc on va finir Bully et Bioshock qu'on avait commencé. Puis on va faire sans doute du GTA 5 pour les 10 ans de GTA 5. Enfin il y a plein de choses qu'on va faire, plein de jeux les amis. Je sais pas demain quand je viens. Bah écoute, nous on stream de 8h à 22h30, 23h. Donc tu passes quand tu peux. Merci pour ce bout de live du coup. Bonne fin de soirée à toi et bonsoir le chat. Bah bonsoir Jade, à très bientôt. Merci à tous les amis. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée. Et nous on se dit à demain 20h pour la suite de The Crew Motor Fest. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée. À bientôt, à demain.